Nous allons reprendre tandis que le groupe atteint le poste de renseignement de Carnes. Vous avez donc traversé encore une fois le passage bernois pendant maintenant quasiment une journée en partance de votre dernier point d'arrêt. Vous l'avez traversé jusqu'à du coup ce fameux bastion qui est une espèce de grand bâtiment très angulaire qui s'étend à une hauteur vertigineuse entre deux grandes parois escarpées. Avec le soleil qui culmine derrière, enfin qui culmine non, qui au contraire descend derrière, vous avez une espèce de gigantesque ombre qui est projetée tout le long du passage bernois et qui accentue cette sensation de froid qui vous accompagne depuis maintenant de nombreuses heures. Nous sommes actuellement en début de soirée, et il commence tout doucement à neiger. Il fait également très froid, puisque nous sommes en altitude et en hiver, pour rappel. Et pour l'instant, tout ce qui vous a accompagné durant vos quelques heures de route, enfin vos nombreuses heures de route, sont le bruit du moteur de Mokosh ou d'une roue qui se prend un petit peu dans la neige, qui commence à tenir. Au loin, parfois, vous entendez les échos du vent qui vont résonner dans la vallée ou entre quelques montagnes. Le poste de commandement de Carnes, donc, le poste de renseignement, pardon, de Carnes, est accompagné d'un poste de douane équipé de plusieurs tourelles d'armement lourd helvétique. Vous en aviez vu des similaires au niveau de la réserve. Pour rappel. Il y a un contrôle qui est effectué d'ailleurs par ces fameux soldats tout au niveau du sol. Lorsque les caravanes arrivent à leur niveau, notamment les vôtres, on va vous questionner, vous demander de rappeler qui vous êtes, qu'est-ce que vous venez faire ici, est-ce que vous avez des autorisations, des documents, etc. Juste sur le côté, vous voyez d'autres caravanes qui semblent, elles, s'être arrêtées ici depuis bien plus longtemps. Ce sont donc des groupes de ferrailleurs et de clanistes principalement, qui ont eu visiblement le temps de monter l'intégralité de leur campement, de mettre le feu à des barils qu'ils ont postés le long des tentes pour se réchauffer. Ils ont également rangé et mis en ordre l'intégralité des marchandises qu'ils transportaient, et semblent actuellement, lorsque vous arrivez au pied de la forteresse, qui elle est interdite, si je puis dire, au public, en tout cas pas en libre accès, eux semblent être animés d'une espèce de routine très bien ficelé, ce qui vous indique, ça fait sans doute quelques jours qu'ils sont là déjà. Les gens sont en train de manger à tour de rôle sur les pots d'espace où ils peuvent s'asseoir en train de manger leur ragoût, et puis ils vont ensuite déposer leur vaisselle au niveau d'une espèce d'étable couverte de neige où derrière, une vieille dame un peu forte sert les nouveaux arrivants qui, eux, arrivent avec leur gamelle quasiment vide. Et évidemment, échange le tout contre quelques lettres de change. La plupart de ces ferrailleurs, d'ailleurs, vous le voyez, sont habillés de grands manteaux épais en fourrure, couverts de neige, en tout cas, enfin, couverts de neige dans lequel la neige se prend, qui sont des manteaux, vous le savez, traditionnellement de borka, qui servent normalement à arrêter plutôt la poussière, mais qui sont également très adaptés pour un trajet dans un endroit aussi froid que les Alpes. Vous indiquez donc à un helvétique en armure le suivi de votre route, et on vous fait signe d'aller vous installer sur le bas-côté. J'aimerais d'ailleurs ouvrir cette session sur un petit test de body stamina avec une difficulté de 3, pour voir comment est-ce que vous avez encaissé de nouveau cette journée de trajet, puisque pour rappel, la dernière fois,
On avait certaines personnes qui s'étaient mal faites, mal acclimatées à l'altitude et au froid sans doute. Personnes qui ont reçu un caramel de ma part. Si ça peut jouer, même un tout petit peu. Les gens qui ont reçu un caramel, c'est vrai, regagnent un point d'ego. Ça roule. Normalement, ça devrait se passer mieux qu'à la dernière fois où tu n'as pas du tout de chance. Deux succès pour moi. Ok, donc toi, Toric, tu sens quand même le poids de l'altitude sur toi. Tu n'es pas spécialement fatigué, mais tu. Voilà, tu sens que tu fais du trajet et qu'au fur et à mesure, à la longue, ça va t'épuiser de plus en plus. T'as dans l'intérêt de partir le plus loin possible. Pareil pour Eflux, un peu fatigué, mais rien de très très grave. Cependant, vous êtes loin d'être épuisé, vous avez. Vous êtes parti depuis même pas une semaine, ça va faire, il me semble, 5 jours en tout, vous êtes parti, puisque vous avez mis une journée à atteindre Bassam, 2 journées à atteindre la forteresse alpine, que vous avez passé une première journée à traverser jusqu'au poste dont j'ai oublié le nom. Mais celui juste avant, du coup, au premier poste, et du coup, la deuxième journée jusqu'ici. Moi, j'ai fait une réussite. Ok. Toi, Jacquard, malheureusement, tu continues sur ta lignée de fatigue. Tu sens que ton mental en prend un coup. Heureusement pour toi, tu récupères quelques petits caramels. Et pour rappel, tu as avec toi un objet qui te permet de récupérer un petit peu de force morale lorsque la tête n'y est pas. Et du coup, voilà, le passage de la dernière fois, c'était à la station de Grionnes. Le poste de douane de Grionnes. Et là, vous êtes par contre au poste de renseignement de Carnes. La différence entre les deux principales, c'est que poste de douane, c'était quelque chose d'assez classique, c'était vraiment une étape au niveau du passage bernois. Là, vous êtes vraiment avec devant cette espèce de grand bastion, pas aussi grand que la forteresse alpine, mais quand même relativement important, qui du coup s'élève, donc qui est lui relativement interdit du public. En tout cas, vous pouvez pas vous y balader à l'intérieur comme beau vont ça. Vous sentez, vous êtes un peu cantonné au bas-côté, où toute une espèce de semi-vie commence à s'être mise en place. D'ailleurs, vous voyez les Molières. La petite troupe qui commence à s'installer et à monter à son stand, et qui vont voir les ferrailleurs et les démarches à propos d'une pièce de théâtre qu'ils vont jouer le soir même. Moi, j'ai fait 3. Toi, tu as fait 3. De ton côté, Mokosh, tu sens que tu commences à t'habituer. Donc, pas trop de soucis à ce niveau-là. J'aimerais vous demander ce que vous allez faire durant les quelques heures du coup qui vont vraiment précéder la tombée de la nuit. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations sur ce qui se passe actuellement, n'hésitez pas. Tout simplement, vous savez que pour l'instant vous allez être bloqué au moins une soirée là-bas. De toute façon, ça serait dangereux de dormir en plein milieu du trajet. Au loin, vous avez le reste du groupe qui vont soit monter leur tente pour ceux comme les néolibiens ou autres. Soit d'autres qui vont aller faire à Miami avec les ferrailleurs et les clanistes qui sont là, comme justement la troupe des Molières, comme je le disais, ou par exemple les Giamethan qui vous accompagnent. D'ailleurs, vous voyez que les ferrailleurs vendent à manger, ils vendent également de l'eau pure, puisque vous avez descendu vos gourdes, donc actuellement vous avez le choix entre mettre de la neige dedans et attendre que ça fonde, ou acheter de l'eau pure. Purifiée, pardon. Enfin voilà, dites-moi un petit peu à tour de rôle, comment est-ce que vous allez occuper les prochaines heures, sachant qu'à la fin, vous allez devoir, je vous l'annonce un petit peu de manière méta, me faire un jet d'instinct survival pour voir comment vous gérez, on va dire, la nuit, puisque vous n'avez pas vraiment de temps, vous avez juste des sacs de couchage. Autant dire que passer une nuit dans un sac de couchage dans les Alpes avec moins je sais pas combien de degrés en hiver alors qu'il neige. J'avais dit qu'il fallait une tente. Hein. C'est pas terrible. Ouais. Donc, sans doute que vous avez une petite carte à jouer actuellement. Vous voyez qu'au loin, il y a des espèces de petites huttes qui ont été installées et qui semblent être gérées par des clanistes, peut-être, qui vivent ici toute l'année, vous le savez pas. Voilà, qui a une idée? Eh bien, moi, déjà, je pense que j'ai passé un peu de temps avec les Molières parce que. Il y a une bonne ambiance, je me suis bien amusé la dernière fois où ils m'ont presque découpé en morceaux. Alors, c'est sympa. Puis, il y a un truc, je sais pas, je m'en rends pas compte, mais il y a quelque chose qui me rappelle quelqu'un que j'aime bien chez eux. Je suis pas trop sûr. C'est inconscient, quelque part. L'ambiance familiale, on en parlait, non? Pardon? D'accord.
On a eu le temps d'en parler. Hein. Ah oui, si jamais en effet, Flux, tu penses que t'en as discuté avec les autres sur le trajet, t'as pu les mettre au courant. Oui, j'en ai pas parlé le soir même parce qu'ils étaient ivres morts en train de dormir, mais en soi, je préviens mon groupe, oui. Donc le lendemain, je pense qu'il y a une discussion. Très bien. J'ai prévenu un peu ce qui se tramait. Eh ben, la même chose, sauf que je fais plus attention à ma bourse. Voilà. D'autres personnellement bah écoute je pense que je vais aller un peu me faire le tour des gens et voir un peu comment ils se préparent pour affronter cette nuit étant donné que pour ma part j'ai aucune expérience de ce genre de biome, de ce genre d'environnement, c'est pas mon domaine. Du coup, essayer de piquer à droite à gauche des astuces ou si on peut peut-être s'entraider et récupérer peut-être des surplus qu'ils auraient pour nous prêter pour la nuit. Voilà, des trucs comme ça. En effet, tu vois que à disposition certains ferrailleurs vendent pour les voyageurs de passage des barils enflammés ainsi que des couvertures supplémentaires, voire même, si tu le veux, un accès pour des chambres directement à l'intérieur de la forteresse du bastion qui se trouve juste à côté. Mm-hmm. Les chambres sont un peu chères, elles sont à 20 lettres de change la nuit par personne, mais c'est pas non plus. C'est un petit peu cher pour juste une chambre, mais le contexte autour fait que c'est pas si. Scandaleux. D'accord. Écoute, je prends note et puis j'irai en parler avec les autres pour voir si ça les intéresse qu'on investisse pour passer la nuit. Parce que je pense qu'on en aura besoin. Mmh. Voilà. Quant à Jacquard, lui, il va prospecter. Après, j'imagine que du coup, comme tu as dit, il y a quelques marchands qui montent leurs marchandises un peu partout, tout ça, en dehors des ferrailleurs, je veux dire. Alors, c'est surtout des ferrailleurs, mais oui, il y a 2-3 clanistes également, qui semblent être des clans des montagnes, en majorité, qui vendent du fromage ou du goulash, des choses comme ça. Du fromage, bon, c'est pas vraiment. Jacquard, il est plutôt dans la vieille méthode et il cherche de l'eau de vie, parce que, bon, voilà, comme ça. Okay. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit stand où on vend de la goutte de je sais pas quoi Malheureusement, non, on n'y vend pas de bouteilles, on y vend surtout du coup à manger ou à boire, mais de l'eau. Et en effet, ça pourrait presque même en effet titiller ta curiosité sur l'absence justement d'alcool dans cet endroit qui pourrait justement être un bon moyen de passer la nuit un peu virtuellement au chaud. C'est vrai que ça paraît presque étrange, tu trouves. C'est quoi les lois chez les. Comment qu'ils s'appellent les Helvétiques, ils ont des lois particulières quant à non, ça Non, c'est à peu près la même chose que dans le protectorat. L'alcool n'est pas proscrit, sauf du coup pour ceux qui se battent. Enfin, pour les soldats, tu ne verras pas un soldat consommer d'alcool, mais les gens autour, c'est pas du tout interdit. D'accord. C'est très similaire au protectorat en termes de justice. Par contre, tu sais qu'en Franca, c'est encore autre chose. C'est vachement plus. Ils sont vachement plus adeptes là-bas de la justice populaire et de. Enfin, voilà. T'auras l'occasion de découvrir ça. Bon, bah, je vais retourner vers mes amis déchus de ma. Flux, donc, qu'est-ce que tu fais ? Personnellement, je restais dans mon coin. Je me sens pas à l'aise avec les groupes qui nous entourent, ce qui est toujours surprenant, étant donné qu'il y a des clanistes qui normalement m'éclatent. Hein. Mais j'aime vraiment pas en fait les groupes qui nous entourent, et donc pour moi, mon objectif c'est juste d'arriver au plus vite, tranquillement. Donc moi, je me fais un peu garde-fou de nos affaires. Hein. Je vais rester à côté le maximum possible et je vais rester un peu dans mon coin tranquillement. Très bien.
Vous vaquez donc à vos petites occupations. Je précise quand même, du coup, vous n'avez pas mangé ce soir pour l'instant, donc peut-être que vous allez devoir quand même investir dans quelques provisions. Que ce soit de la viande séchée ou un repas chaud sur le moment. Petite info méta aussi, manger un repas chaud, c'est souvent plus cher, évidemment ça se conserve pas, mais c'est le genre de petit truc qui permet de récupérer de l'ego sur le long terme, tout comme passer une nuit dans un endroit un peu plus classieux. C'est quelque chose, un axe sur lequel je pense que j'ai plus insisté sur cette campagne, vu que la Franca a un environnement assez hostile, pas forcément dans le sens où on va vous agresser, mais plus dans le sens où c'est peut-être, quand on n'est pas en ville, compliqué de voyager, et fatigant, épuisant. Et l'ego, voilà, va jouer une place un petit peu plus importante. Tandis que vous vaquez à vos occupations, toi, par exemple, Mokosh, tu vois l'espèce de mini-stand slash pièce de théâtre s'installer, tandis que quelques ferrailleurs viennent un peu jeter un œil, ça n'a pas encore commencé, mais vous avez Blanchard qui, du coup, la corneille, les appâte comme il peut et leur vend une histoire absolument incroyable, une histoire d'amour avec énormément de rebondissements, du drame et quelque chose de très triste à la fin qui semble particulièrement intéresser les gens. On y parle également d'Homo de Genesis d'ailleurs. Et à un moment, tu es approché par une ferrailleuse. Et juste à côté d'elle, tu vois Lito qui semble attendre sans trop savoir quoi faire. En fait, elle l'a ramenée jusqu'à toi et elle se présente. Elle s'appelle Béatrice. Et elle vous envoie dans un coin un peu plus tranquille tous les deux. Dites-moi, de ce que je vois de vos tenues, vous n'êtes pas de simples anabaptistes, je me trompe? Vous vous trompez pas. J'aurais peut-être quelque chose à vous proposer. Je n'ai pas pu m'empêcher de voir que vous aviez voyagé, fait la route avec certains adeptes du culte de la chèvre. Dit-elle en pointant au loin les Jemetan du regard qui sont en train d'installer leur tente en peau de bête. Oui. Je pense qu'on pourrait avoir un intérêt commun, étant donné que les guerres vous imposant à eux se sont terminées depuis moins de 10 ans. J'imagine que la rage est encore... encore vivace en vous. Et j'ai un souci par rapport à la cargaison qu'elle transporte. Si j'ai bien compris ce que disaient les Néolibiens avec qui j'ai discuté tout à l'heure, vous bénéficiez tous d'un espèce de droit de passage prioritaire sur le passage bernois. Qui fait que les Jemetan sont visiblement aptes à rejoindre Toulon bien avant nous. Et donc à écouler leurs marchandises bien avant nous. Ça, malheureusement, c'est pas terrible pour les affaires. Alors je voulais savoir si ce serait possible avec vous de faire un deal, quel qu'il soit, pour que vous... Comment dire... Si leurs marchandises venaient à disparaître pendant la nuit ou qu'ils venaient à se bloquer quelques jours pour une raison ou une autre, on pourrait peut-être s'arranger. Si vous voulez, on a c'est deux ou trois affaires qui pourraient vous intéresser. La possibilité est là, en tout cas, oui. Tu vois que Lito n'a pas l'air contre non plus. Qu'est-ce que vous avez à proposer ? Eh bien, premièrement, j'ai entendu parler du fait que les Jemetan transporteraient quelques explosifs. Et c'est vrai que je n'avais pas précisé la dernière fois, j'ai peut-être un petit peu sous-estimé cette partie-là, mais ils transportent du matériel, dont des explosifs, qui ne ressemblent pas trop dans la manière d'agir des Jemetan, que jeter des mines ou des grenades sur leurs opposants, ou plutôt de la dynamite ou ce genre de choses. Mais vous savez que les ferrailleurs, enfin en tout cas, vous apprenez actuellement que
les ferrailleurs de Franca, surtout de Toulon, sont friands de ça. Sans doute pour les mines qui doivent avoir lieu aux alentours. Enfin, les explosifs valent assez cher en Franca. Et je reprends la parole avec Béatrice. Comme vous pouvez vous en douter, on a tout un paquet de matériel dans ce genre avec nous, mais ça nous dérangerait qu'ils arrivent 2 jours après parce qu'ils ont fait ami-ami avec quelques évétiques à la forteresse et cassent les prix d'un seul coup en alimentant les meilleurs clients. Ça nous arrange pas du tout. Ouais, je vois votre intérêt. Qu'est-ce que vous avez vu que vous proposez quelque chose en échange? Ce que vous voulez, dites-moi si jamais vous voulez un repas gratuit, de la ferraille, quelle qu'elle soit, une carte de la région. Ou des lettres de change aussi. On a de quoi payer, bien sûr. Vous avez combien à proposer? Disons 100 lettres de change par personne. Je veux bien, mais on risque d'être ralenti si on s'occupe d'eux. C'est justement l'intérêt, j'imagine. Comme ça, nous pourrons arriver avant. Mais... Bon. 100 lettres de change par personne et... Il me faut quelqu'un avec qui partager mon sac de couchage pour pas avoir froid dans la nuit. Si vous pouvez me trouver quelqu'un qui est pas moche. Je trouverai. À ce moment-là, tu vois qu'elle sort déjà 2 billets de 50 lettres de change chacun et vous en distribue. Considérez ça comme une avance. Je vous fais confiance ne tentez pas de me doubler. Je serais risqué d'aller les voir pour leur demander exactement l'opposé. À ce moment-là, elle rigole un peu comme si sa blague était maligne, mais en voyant l'air un peu très sérieux de Lito, et j'imagine du tien aussi, elle redescend d'un coup et puis ça va. Ouais. À ce moment-là, Lito se retourne vers toi et dit tout simplement « On pourrait faire ça pendant la nuit. » Oui, ça se ferait pas difficilement. Ou alors... prendre un couteau et scier quelques lanières de cuir qui retiennent leur cargaison sur leurs chevaux avec un peu de chance. Ça se détachera pendant la traversée demain. Oui, je pense que la manière la plus discrète sera la meilleure. J'aimerais tout de même éviter qu'on s'entretue avant qu'on soit arrivé à destination. Il souffle un peu du nez, t'as cette espèce de buée du coup propre au froid qui s'en dégage. Il te fait « Je suis d'accord là-dessus ». Il agite un peu son billet et puis il se dirige en direction des étals. J'ai un repas chaud qui m'attend. Tu peux le suivre d'ailleurs si tu veux. Moi je vais le suivre. Très bien. Lorsque tu arrives là-bas sur place, tu vois qu'il y a globalement 3 grands repas qui sont proposés. Le premier, c'est soit de la viande séchée, soit un ragoût de ferrailleur en fonction des envies. Le ragoût est froid, sans doute celui de la veille. Qu'on propose pour 6 lettres de change par personne, ce qui est un prix pas trop cher, et qui au minimum aura l'intérêt de raviver, de caler un peu une certaine faim, mais sans plus. Alors, à côté, on propose également des morceaux de fromage claniste, donc fait à partir des chèvres des montagnes, sauvages pour la plupart, et qu'on étale sur des espèces de vieux biscuits un peu humides, et on vous propose une part assez généreuse pour 6 lettres de change aussi. Tu seras difficilement calé avec ça, mais ça aura un intérêt de peut-être raviver un peu le repas. Ou à côté, pour les plus riches, on propose un goulash chaud avec des morceaux de viande, des pommes de terre et quelques légumes mélangés au niveau d'une grande marmite.
qui par contre cette fois-ci est à 12 lettres de change la portion. Lito, lui de son côté, s'en va prendre un goulag et avec un morceau de fromage. Un goulash. Ouais. Un goulag. J'ai mal lu mes notes dans la précipitation, j'ai fait un petit lapsus. Moi, je vais prendre le truc le moins cher là à 6, si j'ai bien compris, parce que je suis pas une dépensière. Très bien. Si tu veux, je note les 50 lettres de change que tu viens déjà de gagner de côté, j'actualiserai tout en à la fin de la session. Ouais, je te laisse gérer l'argent. Ça t'évite de déduire 6 lettres de change par 6 lettres de change, à chaque fois tu feras un petit achat de rien du tout. Très bien. Parfait. Nous allons pendant ce temps-là repasser donc à Flux. Comment vas-tu occuper le reste de ta soirée? Excellente question. Est-ce que j'ai pas sur moi si tu fais autre chose que surveiller hein, justement oui, non, mais en plus de ce que j'ai compris, Jacquard ne trouvant pas son bonheur revient auprès du groupe, donc je pense qu'on va passer la soirée surtout tous les deux. Et justement, Efflux a envie d'en profiter un peu pour continuer sur l'amélioration de sentiments qu'il y a eu entre Jacquard et Efflux. Et du coup, voilà, j'ai envie de passer un moment avec Jacquard, et justement, j'ai demandé si dans mon équipement, j'ai pas un jeu de cartes, un truc comme ça, pour qu'on puisse passer la soirée de manière agréable en s'occupant. Je demande, est-ce que à l'ami, je peux pas aller prendre un jeu de cartes à Apocalyptique? On n'a pas parlé de prendre des jeux de cartes, mais tu peux peut-être aller en emprunter ou en acheter un. Sans doute que quelqu'un t'en vendra pour quelques lettres de change. Vu que tu as déniché également une nuée, tu sais que tu peux sans doute en effet trouver un jeu de tarot et l'emprunter. J'ai tenté la version gratuite pour éviter de trop puiser nos ressources. Je te fais la version rapide, en effet, lorsque tu vas voir Blanchard, tu profites d'un moment, un des rares moments de pause qu'il prend alors qu'il a meute la foule et qu'il est déjà en train d'installer des gens qui mangent tandis qu'ils voient les choses juste se mettre en place. Ils sont même en train d'installer des genres de morceaux de décor. Bref, ça sert à tout un petit délire. Tu vois que lorsque tu lui proposes tu lui demandes s'il peut pas te passer un jeu ou au moins son tarot, il te donne sans sourciller son propre tarot. Tu vois, à un moment, il se frotte un peu les favoris comme ça, et puis il dit, de toute façon, moi, j'ai jamais vraiment trop cru à ces trucs-là, je te ferais dire. Et puis il passe ça. C'est un peu typique comme comportement pour une corneille qui, normalement, jure... Enfin, dans le cliché global, ne jure que par ça, mais c'est vrai que ça arrive qu'il y ait simplement des apocalyptiques qui soient pas du tout croyants à... en tirant des cartes, quoi. Non, ça, c'est plus un truc pour les piles et machin. Vas-y, franchement. Ramène-le-moi, quand même. Je perdrais vachement en crédibilité si je venais à le poser. Et si jamais vous avez une seconde entre deux parties, n'hésitez pas à venir ce soir. Histoire qu'on va vous raconter, inspirée d'une histoire parfaitement vraie et extrêmement prenante. Très bien. Du coup, tu retournes voir Jacquard et tu vas ton petit jeu. Jacquard, du coup, est-ce que ça te dit, toi, de passer la soirée à boire? Pour rappel, vous avez quelques petites bouteilles de vin avec vous et à jouer aux cartes avec Efflux. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Il faudrait qu'on on se trouve peut-être une... Ouais, tant pis. Ouais, je suis partant. Parfait. Je vais... pour symboliser ça, je vais vous rendre un petit peu d'ego, parce que en effet, vous soufflez un petit peu, ça vous fait du bien de faire cette petite pause et de jouer de ton côté. Jacquard, si tu veux, tu peux même te servir quelques verres, vu que vous transportez quelques caisses, pour rappel l'alcool. Tu t'avais fait chou blanc lorsque tu avais cherché sur le marché. Est-ce que vous avez prévu de manger un moment ou pas? Ça me fait signe que oui. Oui, effectivement. Même à la limite, je pense que quand j'étais chercher le jeu de cartes, à la limite, j'ai pris un repas chaud en passant, enfin deux repas chauds, un pour moi, pour Jacquard. Et comme ça. Donc là, je laisse me déduire 24 lettres de change, soit de ta fortune personnelle, soit de la fortune que vous confie le protectorat. Je vous rends encore un peu plus d'égo. Du coup, en effet, c'est une soirée vraiment tranquille, plus confortable que ce que ça aurait pu l'être. Et Torik, dans ce cas-là, toi, qu'est-ce que tu fais également vraiment pour occuper cette soirée qui va se passer
Bah, de toute façon, je pars du principe que j'ai dû en discuter avec les autres, à savoir si on peut récupérer du matériel pour ce soir, pour dormir. Donc, je sais pas. En fait, tu les trouves à droite, à gauche, vaguer à des occupations, soit se balader dans le camp pour récupérer des cartes, soit en train de manger entre eux. Bah, du coup, voilà. À la voilée, je leur pose la question si ça les intéresse, donc ils vont me répondre par eux-mêmes, si ça les intéresse qu'on récupère du matos. N'est-ce pas, Mokosh? Sûrement. Alors, je te dis ça après, pour pas mourir de froid, quoi. C'est vrai que là, il commence à faire de plus en plus froid et ça va vite devenir insoutenable si jamais vous ne trouvez pas une solution. Donc, soit louer une chambre sur place, soit vraiment ouais, de vous organiser comme vous pouvez. Bah, a Et juste Moko, je priori, pense qu'il y a une liste intéressante. Bah déjà, j'ai vu Flux qui m'a dit qu'il était d'accord. Ensuite, Mokosh qui a l'air de n'avoir aucun avis. J'ai mes options de toute manière. Voilà. Donc en gros, c'est comme si on la comptait pas pour cette nuit. Et par contre, Jacquard, est-ce que tu es d'accord pour qu'on, enfin, pour cette nuit, je sais pas comment tu comptes dormir, mais vu le froid qu'il va faire ce soir, il vaudrait peut-être mieux que on investisse un petit peu enfin de monnaie. Dans du matériel ou peut-être une chambre pour ce soir, sans ce qu'on risque de se les cailler. Je suis d'accord, mais bon, on va pas se mentir, c'est plus à Efflux qu'il faut demander l'accord en soi. Ouais, Efflux, il est d'accord, hein. Je l'ai eu tout à l'heure, pour lui, c'est OK. Dans ce cas-là, bien sûr. Bon, bah, écoute, c'est parfait. Dans ce cas-là, je vais me diriger vers les personnes qui proposent cela et puis je vais leur dire que c'est bon. Bon, par souci de faire bien les choses, je vais quand même prévoir Mokosh dans le groupe, même si elle a sous-entendu qu'elle avait d'autres choses à faire. Mais bon, on ne sait jamais si elle avait besoin de revenir parmi nous, elle trouvera de quoi dormir au chaud. Du coup, tu prends 3 ou 4 chambres? Quatre Sachant chambres. que si tu prends la quatrième chambre, dans tous les cas, tu vas la payer. Après, Oui, au ben on pire, va c'est la le choix. payer. Bon, On ne du sait coup, ça jamais, fera quoi. 80 lettres de change. 80 lettres de change. Je vais. Et du coup, je l'ai déduit. On dit que c'est Flux qui paye, ou tu le payes, tu l'offres aux Bah, autres. c'est Enfin, la que c'est caisse Flux qui commune, paye, quoi. j'entends. C'est Exactement. Oui. c'est le porte-monnaie du groupe. On a combien de J'ai trajets environ qui nous restent? Là, vous avez fait la majorité. Ok. En gros, normalement, on ne devrait plus avoir beaucoup de frais ensuite. Non, en On a effet, fait à ce pour. moment-là, vous n'avez plus de frais de Ok. douane à payer. Et il vous reste Ouais, 580 lettres de change sur voilà, 1000 justement. pour ce C'est pour mois-ci, voir. sachant que du coup, la prochaine charge sera dans 23 jours. Ouais, D'ailleurs, je ça va précise pour aller. l'instant, je vais donner le prix au mois. Après, ça passera par contre à la semaine pour que ce soit plus D'accord. fluide. Vraiment. D'accord. Donc, vous aurez 250 lettres de change par semaine, ce qui fait grosso merdo 1000 lettres de change par mois. Très bien. Donc, en effet, tu vas voir un Helvétique en poste. Tu vois, eux, ils sont là, ils ont leur fusil, ils gardent précieusement leurs entrées, mais ils sont plutôt amicaux. Parce qu'en fait, leur business, c'est ça, hein, c'est sincèrement, ils gardent des voies, ils les protègent et puis ils gagnent l'argent des gens qui passent, hein, ils taxent. D'ailleurs, certains les considèrent plus comme des bandits de grand chemin que des vrais protecteurs de route. Mais chacun son opinion est libre à eux de l'exprimer en dehors du passage bernois. Tu récupères donc 4 chambres à l'intérieur de la forteresse. En les découvrant, tu découvres quelque chose de, somme toute, très. Basique, ça fait plus chambre militaire que chambre d'auberge confortable, Moi, ça me mais va. ça fait plutôt l'affaire. Il y a plusieurs couvertures sur chaque lit. Vous avez chacun un espace à vous, donc c'est pas des chambres, c'est pas des dortoirs quoi, c'est vraiment des petites chambres.
Surtout, par contre, en effet, il y fait chaud. L'endroit a été pensé pour retenir la chaleur à l'intérieur. C'est bien isolé. Donc, clairement, vous allez être bien meilleur que ces pauvres qui Ça vont dormir. me rappelle un petit peu la chambre d'hôpital, ma chambre. C'est Voilà, ça, ouais. un peu militaire, bien tout carré, tout bien comme il faut. J'ai Et je l'impression précise, quand je dis comme à la ces maison. pauvres qui vivent dehors, c'est pas mon opinion personnelle que j'exprime là, mais Oui, plutôt le un constat un peu froid, sans mauvais jeu de mots, parce bah, que vraiment, c'est pour ma part, c'est un peu ce que je ressens, parce que pour moi, je suis pas un être d'extérieur. Voilà, je suis pas. Si je le fais, c'est vraiment, je D'ailleurs, suis contraforcé. tu n'as pas mangé, Toric, est-ce que tu souhaites le faire? Oui, je pense que oui, Ok. je vais manger, effectivement. Plutôt intéressé par un ragoût de ferrailleur, un goulash bien chaud ou un fromage de claniste servi sur des morceaux de biscuit? Bah, je dirais que mon esprit de médecin me dirait de manger quelque chose de bien chaud et de consistant. Donc Ok. un goulash bien chaud. Ça va te coûter 12 lettres de change, c'est le plus cher, mais d'un autre côté, le fait de manger chaud comme ça te fait du bien. Et en plus de la nuit, tu sens que demain, tu vas pouvoir repartir bien, bien en forme. D'ailleurs, ça va être le cas d'à peu près vous tous. Et je mets en direct à jour votre ego. Vous allez quasiment tous retomber à zéro. Il y a juste Mokosh qui va rester à 2 et Jacquard qui va rester à 2 également. Très bien. Si jamais certains d'entre vous s'intéressent par aller à la pièce de théâtre, vous y découvrez quelque chose de pas très fameux mais qui semble amuser le public. À défaut de vous y rendre pour écouter, vous entendrez des gens sur le retour lorsqu'ils en repartiront en parler comme quelque chose d'un peu étrange. Il y a ce ferrailleur là un peu bourru qui dira à son pote vachement plus petit je savais pas que les Homo de Genesis pouvaient tomber amoureux d'une humaine. Et l'autre qui lui répondra, oh mais tu sais, les pies, elles sont pas comme nous, hein. Elles feraient chavirer n'importe qui. Oh si tu le dis, puis ils continuent leur discussion en débattant un peu comme ça, sans grande prétention de ce à quoi ils viennent d'assister. En tout cas, il faut avouer qu'il y avait quand même un certain nombre qui a été réuni là. Et puisque le fait de regarder était gratuit, mais évidemment, il y a toujours ce petit tour de chapeau. Et puis malheureusement, dans la nuit, certains ont perdu leur bourse. Ils ont dû les faire tomber par terre, mais dans la neige, ils n'ont pas réussi à les retrouver. Ce sont des choses qui arrivent. Un peu plus tard dans la nuit, Mokosh, quelqu'un vient, alors que du coup, donc, tu as été prévenu que tu allais dormir dans un endroit spécial. Pour Lito, pour rappel, lui, vu que vous lui payez déjà un salaire, se paye sa chambre. Sinon, voilà, ça commencerait à être trop compliqué s'il fallait vraiment en plus gérer sa nourriture à lui, ses besoins à lui, ses gourdes, machin. Donc, lui s'en charge, voilà, juste régulièrement. Il ira taxer dans le pot commun. Très bien. Du coup, quelqu'un toque à ta porte, et à ta grande surprise, ce n'est pas un ou une ferrailleur qui vient t'ouvrir, mais Klaus, qui est officiellement la danseuse de la troupe des Molières. Mais plus officieusement, du coup, une pie de la nuée des Molières. Ils ont gardé le même nom. Et du coup, cette nuit passée dans la forteresse helvétique de Carnesse, donc dans le poste de renseignement plutôt, te sera plus profitable encore que les autres en termes d'ego, évidemment. D'ailleurs, tu assisteras au traditionnel interrogatoire sur l'oreiller. Est-ce que tu y es plus ou moins réceptive ou pas du tout? Elle te demande par exemple ce que tu vas faire dans le sud, dans une ville comme Toulonie, qui est pourtant désertée par les Anabaptistes, ce genre de choses. Oh. Oh, je pense que Mokosh aurait pas de problème à se mettre en avant et à dire qu'elle vient jeter les diamétanes hors de la région. Tu vois, pendant que tu lui parles, elle passe, tu sais, sa main dans ses longs cheveux roux et fait des petites boucles avec. Puis sourit et puis elle va poser comme ça avec plein de petites questions tout le long de la soirée. Pendant la nuit également, quelqu'un d'autre recevra une certaine visite et il s'agit de Efflux. Tu es réveillé par quelqu'un qui toque à ta porte. Je vais l'ouvrir. Tu ouvres
et tu ne tombes pas sur une danseuse slash pie d'une nuée, mais tu tombes sur un chroniqueur. Il est assez petit de taille, il doit faire 1m50, 1m60. Pourtant, à sa voix, malgré la modification derrière, tu sens qu'il s'agit d'un adulte, c'est juste quelqu'un de petite taille. Et il se présente. Bien le bonjour, je me présente Automate. Je suis en mission pour le serveur au sein du poste de renseignement. Voyez-vous, les Helvétiques ont peu confiance envers le culte néolien qui sévit au sud de la Franca. Et je les aide à intercepter des signaux radio et à les décrypter. Si je me permets, après cette brève présentation, de venir vous voir, c'est que l'on m'a mis au courant de votre mission actuelle pour le serveur. Je fais partie de l'une des rares personnes qui sait ce qu'est l'opération Firewall. Ah, c'est bon, donc tu es sûr qu'il a bien été mis au courant, personne n'aura pu deviner ça. C'est ce que j'attendais, ouais. Ouais. L'on m'a dit que vous aviez récupéré un sac radio à la forteresse alpine. C'est bien le cas? C'est bien le cas, oui. Très bien. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, mais vu que vous avez choisi de passer par ici, je voulais profiter de vous voir pour vous tenir au courant sur un petit peu le déroulé des situations. L'agent hybride et Daylight, les agents hybrides et Daylight m'ont briefé sur la manière dont nous allions procéder. En fait, elle est relativement simple. Malheureusement, nous captons très difficilement depuis le poste de renseignement les appels que vous pourriez émettre depuis Toulon. Pour rappel, la portée d'un sac radio est de 200 km. Et malheureusement, la distance entre Toulon et le poste de renseignement est un tout petit peu plus haute. Et en plus, c'est en altitude, donc c'est autant un avantage qu'un défaut, ça dépend. Voici comment je vous propose de procéder. Si jamais vous voulez vous connecter à la radio et tenter de me prévenir pour vous faire un rapport ou exiger quoi que ce soit, si jamais vous avez des questions ou souhaitez être mis au courant des avancées ajusticiennes, vous pouvez tenter soit depuis la ville de Toulon, qui sera sans doute sans succès, soit vous déplacer jusqu'à la ville de Bayonne, qui vous rapprochera du poste de renseignement auquel nous nous trouverons, et où le signal sera sans doute bien plus fort. Si jamais vous en avez le courage, vous pourrez également vous déplacer jusqu'à directement chez nous, ou à l'intérieur du passage Bernois, ou au niveau du terminal de contrôle de Morvan, qui est en train de se construire au sud. Il est encore en construction, donc vous ne pourriez pas y aller tout de suite, mais on m'a dit que les Helvétiques, avec qui je suis donc en très bonne relation, comme vous avez pu le deviner, sont sur le point d'achever le bâtiment en une vingtaine de jours, tout au plus. C'est une prouesse qu'ils sont en train d'établir là-bas, mais soit c'est leur choix. Tout ça pour dire donc... Évidemment, vous ne pourrez pas contacter les justiciennes directement depuis la ville de Toulon. À ce moment-là, sans trop savoir pourquoi, tu sembles avoir un certain entrain à voir devant toi ainsi se déployer le tableau grandiose du plan du serveur. Vous allez envoyer un message que je récupérerai depuis le poste de renseignement de Carnest. Nous allons établir dès ce soir une clé de cryptage que nous seuls pourrons comprendre et qui évidemment sera inviolable. Ce ne sont pas les néolibiens qui pourront nous devancer là-dessus. Je relayerai ensuite moi-même le signal jusqu'à la forteresse alpine, qui sera lui-même relayé, de nouveau crypté à chaque fois, jusqu'à ce qu'il atteigne, une bonne fois pour toutes, le serveur central de Justicienne. Si jamais, pour une raison ou une autre, le signal venait à être coupé, vous pourriez toujours tenter de vous déplacer jusqu'à une ville comme Toulouse. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une certaine ville à l'ouest du pays, et tenter de joindre le serveur d'Aquitaine. Je connais mais bien. C'est surtout un cas d'extrême urgence que je vous annonce. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Je ne sais pas si vous souhaitez faire un tour à l'intérieur de la forteresse, enfin du bastion, pour que je vous présente comment nous travaillons ici, ou si vous souhaitez vous reposer pour repartir demain.
Si vous avez des questions également, n'hésitez pas. Je suis désolé, j'ai fait vite, mais... Non, vous avez bien fait, vous avez bien fait. Question d'éviter d'ébruiter ma présence ici. Je vais favoriser le repos, mais j'aimerais reprendre contact avec vous. Vous pouvez me redire votre nom, s'il vous plaît. Automate. J'avoue qu'au début, j'étais un peu sceptique de votre présence. J'attendais que vous... Il n'y a pas de souci, vous faites bien. Pour une mission d'une telle importance, même si je n'en connais pas tous les enjeux, l'on m'a expliqué le semblant de couverture officielle que sur lequel on vous avait mis et que vous n'êtes pas le zéro absolu que l'on aimerait le faire croire. Vous faites donc bien de vous méfier, les chroniqueurs que vous pourriez croiser dans le futur ne seraient peut-être pas aussi compréhensifs, puisque pas mis au courant. Mais c'est tout à fait normal, vous en auriez fait de même. Tout à fait. Mais je tiens à vous rassurer, il y a peu de chances que vous en croisiez des tas dans le sud de la Franca. Cela fait bien longtemps qu'ils ont déserté. Ouais. À part notre paradigme Mirage, qui s'y est rendu il y a maintenant un an, mais... Comme vous le savez, son opération a échoué. Et nous y voilà. Mais écoutez, Tomate... Désolé, je parle beaucoup. Non mais allez-y, Tomate. Eh bien, je vous demandais si vous avez des questions. Eh bien, non, ça ira pour le moment, mais je vous contacterai au besoin. Pour l'instant, le trajet est plutôt calme, donc... N'hésitez pas à me contacter au moins une semaine après votre arrivée pour me notifier... du bon déroulement de l'opération, soit donc depuis Toulon, comme je vous l'ai annoncé, soit depuis Bayonne. Dernière réflexion qui pourrait vous être utile, une fois sur place, une fois en ville. Il y a d'anciennes alcôves de chroniqueurs dans le quartier des Ferraillis qui ont été abandonnées, et dans lequel, à ce moment-là, il regarde un peu à droite à gauche, et vu qu'il était un peu sur le palier de la porte, il se permet de rentrer. Il baisse un peu la voix, il retire même son masque, en l'ouvrant presque tel un volet. Tu vois donc le visage d'un homme couvert de taches de rousseur, qui semble avoir un peu plus de la vingtaine. Et s'il fait ça, en fait, c'est pour pouvoir chuchoter sans que le son soit amplifié par son masque. Nous avons installé... Même si officiellement les chroniqueurs ont quitté la ville, nous avons installé de nombreux micros et caméras à l'intérieur de ces quartiers, notamment celui des Ferraillis donc, et des alcôves abandonnées de chroniqueurs. Si vous interrogez les citoyens, vous devriez pouvoir les trouver sans trop de soucis. Et si vous vous y rendez, vous serez sans doute capable de pouvoir vous approvisionner en matériel dans quelques caches secrètes que nous y avons placées. Je ne sais pas en quoi exactement vous pourriez vous y ressourcer ou si le matériel fonctionne encore bien, mais c'est une piste que je vous donne. On en a parlé et c'est quelque chose dont nous ne faisons pas grand-chose. C'est un étant peut-être d'ailleurs que nous pourrons récupérer un peu de flux statique par votre billet que vous pourrez à votre tour nous transférer. Mais nous vous tiendrons au courant de ceci, ce n'est pas la priorité pour le moment. Je vous remercie pour cette information très, très intéressante. Automate, si tu en as fini, j'en profiterai pour me retirer et me reposer, et je te recontacterai assez vite. Vous faites bien, Flux, c'est comme ça qu'on prononce ? Tout à fait. Flux. Vous faites bien, bon, je vais vous laisser vous reposer, la route sera sans doute longue demain, et puis nous aurons déjà beaucoup à parler dans les jours à venir, lorsque vous aurez reconnecté la radio de renseignement de Carnest. Là-dessus, je vous souhaite une bonne nuit. Posez-vous bien. J'espère que le confort sera à votre goût et que vous serez suffisamment reposé pour reprendre la route demain. À ce moment-là, il s'en va et repart à l'intérieur du bastion, sans trop que tu saches où. En effet, sa présence n'a pas l'air d'être un secret, sinon il ne se serait pas déplacé comme ça. Mais tu vois que c'est pas quelque chose d'officiel. Enfin, si, c'est officiel, je veux dire, mais c'est... le terme n'est peut-être pas le bon, mais je veux dire, c'est pas médiatisé, quoi. C'est... Oui, je vois. Si les néolibiens peuvent éviter d'apprendre que des chroniqueurs trafiquent avec les Helvétiques, même si sans doute, très certainement, mais en tout cas aussi près du territoire, c'est sans doute mieux pour votre culte. Là-dessus, je vais vous demander à tous un petit jet
instinct survival avec une difficulté de 2 seulement, puisque vous avez tous pris des chambres. Juste pour voir, en fait. En vrai, il est plus symbolique qu'autre chose pour l'instant. Je sais pas si j'ai droit vraiment à la chambre, parce que je pense que je vais profiter du fait que j'en ai pas besoin pour ne pas y être, comme ça les gens ne me remarquent pas quand je vais couper des trucs discrètement dans la nuit. D'accord, très bien. Dans ce cas-là, je propose qu'on fasse le jeu plus tard en voyant combien de temps tu restes dehors. Ouais. Je vais le faire très rapidement. Je parfait, réussi pour Flux. Trois réussites. Réussi pour Jacquard. Parfait. Et réussi pour Twig. Donc en effet, vous allez tous très bien dormir. Vous savez que bon, le danger était minime, mais il était certain quand même à l'extérieur. Sans doute qu'il doit y avoir quelques ferrailleurs qui se réveillent avec des engelures ou des parties de peau étonnamment violettes le lendemain matin. Surtout après plusieurs jours passés sur place, mal chauffés, quand on n'a plus d'argent, ça doit être très compliqué. Et en effet, du coup, Mokosh, j'allais en venir avec toi. Est-ce que tu souhaites te réveiller pendant la nuit après en avoir fini avec Klaus? Oui, en effet. Très bien. J'ai du terrorisme à faire. Tu toques à la porte de Lito. Et quelques secondes après, tu l'entends pas grommeler, mais voilà, dire d'un ton un peu mal réveillé, t'indiquer d'ouvrir. Et lorsque tu ouvres la porte, tu le découvres assis sur une chaise, appuyé sur son épée, avec les jambes allongées sur son lit. Une pose, ma foi, particulièrement étrange, mais ça te dit quelque chose. C'est vrai que dans tes souvenirs, il dormait jamais vraiment allongé, il avait ce côté un petit peu... Il en parlait souvent comme en lien avec la guerre contre les Jemedan et peut-être une espèce de traumatisme, mais il est toujours obligé de dormir avec son épée à proximité, voire presque déjà dégainé. Donc il est là, il est appuyé, il semble d'un coup à moitié debout, et pourtant ses jambes sont sur le lit, il les décale. Et quelques secondes après, simplement, il lève la tête comme si là, il était vraiment avec toi. Il fait « Oui, allons-y. » Et il se lève. On se met en route. Vous vous mettez en route. Est-ce que vous prenez du matériel avec vous? Je veux sûrement de quoi couper sans avoir à brandir une épée, oui. Si c'est okay. Prouvable, peut-être que Lito a ça, je ne sais pas exactement de quoi. Quelques couteaux, oui. Équipement. Ne serait-ce qu'au niveau de la poignée de son espadon, il peut en récupérer, même si toi t'as rajouté autre chose. Il a ce qu'il faut. Et puis il doit avoir un ou deux couteaux à viande aussi de son pactage. Vous marchez à l'intérieur du poste de renseignement. Vous déambulez dans les quelques couloirs du bastion. Et vous arrivez quand même au bout d'un moment face au fait que les portes sont gardées par des helvétiques. Est-ce que vous passez droit devant eux? Ah oui, de manière solennelle. Très bien. Après tout, je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit. Passer devant eux, en effet, de manière plutôt logique. Ils font pas spécialement attention. Froid, ils vont empêcher. C'est ça. Puis vous retournez au niveau du coup des petits campements qui ont été construits un peu tout autour. Là-bas donc tu y repères quelques affaires, celles des néolibiennes qui ont été gardées par un helvétique qui a sans doute été payé pour ça. Surtout après les histoires de vol qui ont eu lieu. Tu as également tous les camps de ferrailleurs avec pas mal de lumière en fait au loin. Tu vois en fait le vent qui déplace la neige au-dessus de ces lueurs en fait qui sont vraiment du coup des barils auxquels on a mis feu et on met soit les tentes soit les sacs de couchage tout autour pour essayer de préserver la chaleur au maximum. Les plus fortunés quand même qui constituent quand même la majorité vont dormir soit dans des genres de roulottes soit dans des genres de petites huttes qui ont été installées. Et donc, évidemment, le camp des Jemedan qui, eux, dorment dehors dans des tentes en peau de bête, pour le coup. Donc, c'est pas des tentes d'avant-apocalypse ou en toile ou quoi que ce soit. C'est vraiment des grosses peaux, mais qui, pour le coup, du coup, ont l'air assez isolantes. En tout cas, plus que les autres. Et elles ont été installées en triangle autour de leurs affaires, qui sont donc au centre, entre les trois.
Et sur le côté, il y a les chevaux. Voilà. Ok. Je pense qu'on... Je suis pas sûr d'avoir bien entendu, mais il y a l'air d'avoir personne d'éveillé à côté de là où on... Non, il y a l'air de pas avoir vraiment d'éveillé. Peut-être dans le... du côté des ferrailleurs, tu vois quelques allées et venues. Ou des gens qui se retournent, qui clairement n'arrivent pas à dormir à cause du froid, ils sont trop glacés. Mais ils sont encore un peu de l'autre côté, ils ne vous voient pas spécialement. Donc ils ont l'air un peu de faire leur vie, les Jamethans ne se sont pas mis à côté d'eux. Ok, j'imagine qu'on va s'approcher du mieux qu'on peut pour arriver là où on doit arriver, pour... couper ce qu'il faut couper pour que ça parte mal dans la journée du lendemain. Très bien. Vous arrivez au niveau de leurs chevaux et je vais te demander un jet de pression avec un bonus. Donc je crois que c'est agilité, stealth. Je sais pas comment on prononce ce terme en anglais. En plus on en aura besoin du bonus. Je pense qu'on peut sincèrement plus donner un bonus d'au moins 3D. Parce qu'il fait nuit, les gens dorment. Donc ouais, 3D me paraît suffisant. Discrétion plus 3D, c'est ça? Ouais. En tout cas, je vais le faire aussi pour Lito. Où est-ce que j'ai mis discrétion, déjà? S'il fait beaucoup de déclencheurs, il pourrait t'aider, mais en l'occurrence, il a fait pile-poil ce qu'il fallait, il a pas fait déclencheur. Ok. Donc, ça me fait pas énormément, parce que j'ai 0 en discrétion, donc ça me fait juste agilité plus les 2D. C'est-à-dire juste la difficulté 4. De 3, si je l'ai pas précisé. Ah, et ben, ça me fait 4D. 4D qui sont 3 réussites, bah c'est bien, parfait. Très bien. Vous arrivez donc à marcher à travers la neige en amortissant vos pas pour pas faire trop de bruit, et visiblement, l'heure que vous passez, vous ne réveillez personne, vous entendez quelques ronflements, et vous arrivez également à calmer les bêtes. Les chevaux semblent pas paniquer lorsque vous approchez, vous les caressez doucement, prenant votre temps, et vous allez commencer à... légèrement couper quelques lanières de cuir qui pourraient rattacher quelques parties des cargaisons. J'imagine un petit peu. Enfin, après, si tu veux être plus précise, dis-le moi, mais ça peut être. Enfin, j'imaginais du coup un peu tout ce qui retient des trucs. Pareil, faire des trous dans les fonds des sacs pour qu'ils puissent s'effondrer sur eux-mêmes éventuellement. Oui, je ne pense pas que je sois assez familière avec ce genre de trucs, de mécanismes et tout ça pour. Pour faire quelque chose de plus sophistiqué que ça. Parfait. C'est déjà largement suffisant. Vous essayez de faire en sorte que ce soit suffisamment discret, mais en même temps suffisamment efficace pour qu'il y en ait au moins un ou deux trucs qui pètent durant le trajet. Et en jetant des coulées de l'intérieur, en effet, vous voyez entre 2-3 morceaux de chèvre, du fromage, des trucs qui semblent être des choses un peu... J'allais dire pas funéraires, mais un peu rituelles. Ce qui semble être en effet des explosifs, des trucs comme ça, c'est... Mais emballé, de... vraiment pas mis de manière chaotique, mais vraiment en fait c'est un peu l'équivalent de vos caisses avant à vous. Ils ont acheté des trucs qui valaient cher dans le sud, ils se sont juste mieux renseignés. Et ils se sont dit, ça va nous rembourser nos frais de douane, enfin sans doute. Ou alors c'est des pyromanes. Mais voilà, on va faire ça comme ça. Par la suite, vous repartez. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Non, je pense que je vais juste aller me recoucher. Au moment où vous arrivez jusqu'au niveau de la forteresse, t'as Lito qui t'arrête un instant. Il fait « Attends !» Il se retourne. Il regarde légèrement dans la neige. Il fait « Non, vas-y, je vais juste rester quelques secondes de plus pour effacer nos traces. » D'accord. Heureusement qu'il est là. Tu retournes jusqu'à ta chambre au niveau du bastion et tu tombes donc sur Klaus, la danseuse, de dos en train de dormir dans ton lit. Et je vais juste aller la rejoindre à dormir. Parfait. Et nous allons reprendre le lendemain matin. Personne d'autre n'aura de visite cette nuit. Le lendemain matin, tout le monde se réveille. Mokosh, tu as donc Klaus qui
te remercie gentiment et puis qui retourne auprès de sa nuée un peu avant que tout le monde soit réveillé. Tu recevras plus tard la visite de la ferrailleuse qui te demandera si les choses ont été faites. Et lorsque tu lui annonceras, toi et Lito qui te rejoint un peu plus tard, que oui, donc Béatrice vous donnera 50 lettres de change supplémentaires. Donc tu gagneras 94 en tout puisque tu as dépensé 6 pour manger. Je te mettrai ça le prêt sur ta fiche. Vous rassemblez vos affaires et vous vous apprêtez à repartir. J'aimerais savoir si des gens ont prévu de faire des choses en particulier avant de repartir le matin ou pas. Sachant que l'idée est de partir le plus tôt possible pour essayer de faire le plus de trajets possible, normalement en 2 jours vous pouvez être à Toulon. Juste avant de repartir, je vais me raser le crâne. Ok. En effet, le matin, tu fais une routine et t'en profites. Voilà. Moi, je vais pas faire grand-chose. De plus, moi, je compte partir plus tôt, sachant que du coup, Mokosh nous a pas mis au courant. Donc vraiment, pour nous, tu vois, on est vraiment en mode tout va bien. Donc du coup, je suis vraiment en mode, je me prépare, tu sais, je prends mes petites affaires. Voilà, il flux tout content. Ah, c'est cool, j'ai eu la visite d'un chroniqueur. Moi, je suis bien, je suis de bonne humeur. Donc voilà, c'est... Moi, ça, je suis vraiment... Ça y est, on va partir. Très bien. Au moment où vous vous apprêtez à partir, tu reçois de nouveau, Mokosh, la visite de Béatrice, qui dit, au fait, en temps normal, je vous les aurais vendus, mais vous risquez d'avoir besoin de ça. Et elle te tend des chaînes. Mm-hmm. Ça vous aidera à rouler dans la neige. Pas mal. Bah, merci. Quelques secondes plus tard, quelques minutes plus tard, vous les installez au niveau des roues. Du coup, oui, personne ne fait rien de particulier avant de partir le lendemain matin. Très bien. Toute la petite troupe se retrouve donc. Les Géamétan et les Néolibiens en tête, et vous et la troupe des Molières juste derrière. La troupe des Molières, d'ailleurs, derrière vous encore. Vous êtes juste derrière les Géamétan et les Néolibiens qui s'échangent un peu en fonction de la route, ça dépend. À tour de rôle, oui. Non, en fait, je disais juste que j'allais directement les équiper à ce qu'on m'avait donné. Ouais, très bien. Bon, c'est pas comme il faut. Vous repartez donc à travers le passage bernois en quittant le poste de renseignement de Carnes. Vous allez zigzaguer comme ça à travers les Alpes pendant encore de nombreuses heures. Ceux qui auront gardé un peu à manger et les autres piocheront dans vos quelques réserves restantes et les finiront d'ailleurs. Vous allez en profiter, pour finir vos réserves. Lors de votre arrêt à midi, vous allez donc devoir racheter à manger encore lors de votre prochaine étape, et vous sentez que le froid commence vraiment à vous peser et à vous affaiblir. Néanmoins, cet arrêt de pause vous aura fait beaucoup de bien. Ça vous a fait du bien de dormir au chaud, ça vous a fait du bien d'oublier le temps d'une nuit un petit peu tous les tracas du climat qui vous accompagnent. D'ailleurs, en parlant de tracas du climat, vous sentez en effet que le passage bernois est en train de devenir de plus en plus impraticable. Vous avez la neige qui devient de plus en plus forte par moment, puis va s'arrêter pendant quelques heures. Un vent glacial qui va vous agresser le visage de temps à autre. Vous sentez d'ailleurs cette odeur un peu particulière de bois humide lorsque vous vous déambulez à travers les Alpes. Et de temps en temps, tu sentiras que le sol est verglacé en fait, plus que la neige. C'est un peu compliqué. D'ailleurs, Mokosh, toi, t'es toujours un petit peu à part, notamment devant, presque tout devant en fait, pour pas effrayer les chevaux, à moins qu'ils préfèrent aller tout derrière. Tu surveilles quand même la cargaison des Géamétan pour voir comment les choses semblent se dérouler.
Lito, lui, voyage pas très loin de toi et semble pareil, guetter de loin vraiment, de manière pas trop insistante, hein, on n'est pas là pour se faire cramer en quelques secondes, mais semble observer les choses tranquillement. Et en effet, en début d'après-midi, vient le moment fatidique, où sur une des pires positions possibles, c'est-à-dire juste à côté d'une espèce de grande crevasse, les chevaux commencent un peu à paniquer. Ils se bousculent, ils se resserrent, il y a presque comme une espèce de bouchon, un goulot d'étranglement qui commence à avoir lieu à ce niveau-là. Et certaines des bêtes commencent à prendre peur. Et dans la cohue, vous voyez le sac accroché au cheval d'un des Jemethan, d'un seul coup se détacher, vu que du coup ça fait des espèces de turbulences. C'est le point mort, le sac se décroche, et commence à partir, entraînant la bête avec lui au niveau du vide. À ce moment-là, le gars juste derrière essaye de, comment dire, de rattraper les choses, au moins pour sauver l'animal. Et en fait, ça entraîne cette espèce de... J'ai oublié le terme, mais Blooby Blulga, où tout le monde essaye de s'agripper les uns les autres, en fait. Surtout au niveau des Néolibiens et des Jemethan, on a un vrai souci. Et d'un seul coup, ça y est, un sac lâche et tombe complètement au fond de la crevasse, qui doit faire plusieurs dizaines de mètres, puisque vous voyez même pas le fond. Juste où le truc tombe et disparaît complètement. Les chevaux commencent à hennir. Vous avez le Jemethan qui pousse un juron pas possible, tandis que certains des Néolibiens commencent à essayer d'avancer pour repasser devant et se mettre en sécurité. Et là, d'un seul coup, alors que l'un des Néolibiens dépasse un des Jemethan, son cheval pose visiblement le sabot sur une partie un peu fragile, qui se fracasse, et il est également entraîné complètement dans le vide. À ce moment-là, l'un des autres commence à crier, certains se précipitent au niveau du bord. J'aimerais savoir ce que vous vous faites. Face à ce moment de panique qui a lieu au niveau de la crevasse, et tandis que d'ailleurs le vent vous aveugle presque à moitié, c'est vraiment difficile de s'y retrouver dans tout ce qui est en train de se passer. Ouais, j'essaie de, pour ma part, de me rapprocher un petit peu, même si je ne vais pas me mettre en première ligne et pour ne pas risquer de me faire emporter, mais m'approcher un petit peu si jamais il y a besoin d'aide pour déplacer les bêtes. Okay. Exactement la même chose de mon côté. Je suis là pour. Enfin, tu vois, je vais essayer d'aider, surtout qu'on n'est pas au courant que l'une de nous a fait ça. Du coup, je suis vraiment en mode merde, il se passe un truc, j'ai envie d'aider sans me mettre non plus en première ligne, effectivement, parce que j'ai pas envie de finir dans le ravin. Mais dans ce cas, me demander d'agilité, non, pardon, de charisme. J'ai oublié le canin pour les animaux. Dressage, mais il est peut-être. Attends, j'ai oublié où est-ce qu'il était. On les utilise très rarement celui-ci. T'es sûr c'est dans charisme ça? Non, justement, je me demande. C'est dans instinct, c'est timing, non? C'est dressage. Si, c'est ça, je crois, t'as raison, oui. Oui, ce qui est dans agilité, c'est le navigation qui sert à diriger sa bête. Ouais. Mais timing, je sais pas ce que ça veut dire, timing, traduction. C'est dressage, hein, je crois. Ouais, c'est je crois que c'est ça, je vais regarder rapidement sur Google. Apprivoisement, c'est exactement ça. Très bien, du coup, en effet, je vais demander un jet de timing, instant timing, pour calmer les bêtes. Et essayer de... Oui, vous avez le droit de dépenser de l'ego, ouais. Notamment dans un cas un peu... paniquant comme ça, ça peut être humain. Après, voilà, l'ego, c'est une notion un peu abstraite. C'est à vous de me dire comment est-ce que vous gérez ça. Bah pour moi, c'est vraiment une implication. Enfin, gérer les chevaux, etc. Enfin, moi, je suis là pour faire un minimum de vie. Mais surtout, en fait, ma concentration que j'ai utilisée vraiment dans l'ego, c'est surtout pour pas mettre en danger moi, quoi. C'est faire du mieux que je peux. Ouais. Bah, moi, après, c'est pareil. Je vais pas forcément pour calmer les bêtes, parce que je vais pas aller au contact. Mais si jamais il y a besoin qu'ils aient amené, qu'il faut les tirer, oui, mais je vais pas aller les chercher. Hein. Donc, je fais les jets, mais c'est juste. On se calme de loin. 3 réussites, un déclencheur pour Flux. Et Flux, en effet, tu commences à dégager déjà les bêtes à l'arrière pour qu'elles arrêtent d'avancer, en fait, parce que les bêtes sont poussées par les bêtes à l'arrière. T'as fait 0 réussite, Toric ? Bah, j'avais que 2 dés en. Ok, toi, Toric, tu te fais bousculer par les bêtes. Alors, bon, c'est pas un échec critique, tu t'en sors, mais tu sais, tu te retrouves un peu plaqué face cette fois-ci au mur. Enfin, c'est pas un mur, mais je veux dire au. À la falaise, mais du coup de l'autre côté, donc t'es de dos, hein, t'es pas au-dessus du vide. Tu sers clairement à rien, mais bon, au moins t'es pas. Bon.
Voilà. Après, j'allais pas pour ça. C'était pas projeté. Mais oui. À ce moment-là, d'ailleurs, un des Jametan s'écrit il est pas mort, il est là, regardez. Il pointe du doigt et juste en bas, en effet, vous observez le néolibien qui est tombé à plusieurs mètres en dessous, accroché à une espèce de pente falaise. Comme il peut, il a un pied aussi posé. En fait, il y a une espèce de mini plateforme et il est à moitié dessus. Il s'accroche comme il peut. Ok. Ouais. Je me dirais, j'aimerais agir. Je me dirige vers la moto. Attends, qui a la corde? La corde est sur la moto de Mokosh, mais tu vas pas pouvoir y accéder parce que du coup vous êtes séparés par la cohue. Malheureusement. Il a combien de mètres? Tu peux lui crier de saisir la corde déjà. Vu que pour l'instant, Mokosh n'a pas agi, il peut y avoir ce côté de. Oui, d'ailleurs, je voulais préciser qu'avec la cohue, je reculais quand même, vu que je suis plus ou moins devant, c'est ça? C'est ça. Je reculais quand même pour me rapprocher du. Ce qui se passait. Donc voilà. Ok, très bien. Tu te rapproches en effet pour voir un peu ce qui se passe. À ce moment-là, vous voyez que le gars est accroché en bas. Et tu vois Jacquard de l'autre côté te faire signe et un peu te crier en disant d'aller chercher la corde qui, en effet, vous aviez déposée dans l'espèce de sidecar de la moto. Eh bien, je m'exécute. Très bien. Tu t'exécutes, tu vas chercher la corde. En effet, tu la trouves assez facilement. Et elle faisait combien de mètres déjà, la corde? 10 mètres. 10 mètres, c'est parfait. C'est largement suffisant. Et tu t'approches au niveau du vide. Tu essaies de faire attention parce qu'avec tout ce vent et toute cette neige, t'as du mal à y voir, mais tu la jettes en bas, et au bout de quelques reprises, tu vois qu'il commence un peu à la gripper. Malheureusement, t'as pas du tout la force pour le soulever. Du coup, derrière toi, tu commences à recevoir l'aide d'un néolibien suivi d'un autre Jametan, et vous essayez petit à petit de commencer à tirer. Je vais te demander un jet d'ailleurs de body force pour essayer de le soulever au-dessus. Du coup, c'est moi ou c'est Jacquard? Parce que j'ai pas suivi du coup. Parce c'est toi, Jacquard lui de l'autre côté. Jacquard est de l'autre côté, bloqué par le bouchon de cheveux. D'accord, je vois. Donc, body, mêlée, c'est ça que tu m'as dit? Non, force. Body force. Pour avoir suffisamment de muscles pour le remonter. Ça tombe bien, c'est le carac avec lequel je tape. Alors, c'est celles qui sont les plus développées. Eh bien, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 réussites, dont un déclencheur. Ok, c'est très très bien. En effet, Mokosh, tu vois que c'est quasiment toi toute seule qui soulève. Tes pieds, malheureusement, sont un peu. T'as du mal à choper des prises, ça glisse pas mal, comme je disais, c'est un peu verglacé. Donc, c'est difficile de pas t'entraîner toi-même vers l'avant. T'arrives à le soulever, tant bien que mal, et il commence à remonter un petit peu. Malheureusement, tu vois que la corde également commence à s'avancer et à te frotter entre les mains. Je sais plus si tu as des gants d'ailleurs. Je pense que j'ai encore les gants. Le truc, c'est que les gants qui sont dessinés, c'est les gants sans doigts. Donc, je suis pas sûr que ça. Oui, c'est mitaine. Ça met sur la poignée, sur la paume, mais pas sur les doigts, quoi. Bon bah disons des mitaines. Alors en effet, tu sens qu'au niveau des doigts, là, la corde commence à t'agresser un peu la peau et sans doute que tu es en train de te les ouvrir en plus avec le froid. Mais tu tiens, tu commences à le remonter, le néolibien lui s'accroche comme il peut, et à ce moment-là, tu sens le néolibien juste derrière toi, celui qui tenait la corde, se coller dos à dos avec toi, approcher sa bouche de ton oreille, et te dire « Je vous donne 850 lettres de change immédiatement si vous lâchez cette corde. » Attends, qu'est-ce que tu fais? Je laisse glisser la corde. Tu laisses les... À ce moment-là, tu bats quelques secondes et juste le temps de te décider, il te dira un truc comme « Écoutez, j'ai la moitié de la cargaison lui appartient, la moitié de cargaison m'appartient, si jamais c'est une occasion en or, si jamais il meurt de manière accidentelle, là tout de suite, je suis un homme riche, lâchez cette corde. » Et tu sais pas quoi faire et d'un seul coup, tu lâches. Et vous autres de l'autre côté, vous voyez la corde partir et le néolibien sombrer avec elle, partir au fond des Alpes. Vous ne l'entendrez même pas atterrir au sol. À ce moment-là, l'autre néolibien encore sur le côté se met à crier presque un cri de douleur. Pas celui qui a parlé à Mokosh, hein.
mais celui encore derrière se pose au niveau du vidre et fond en larmes tandis qu'il observe le fond sans bouger. Les Jamethan aussi, petit à petit, à force de démêler les bêtes, vont pousser des jurons, mais vont du coup faire un peu petit. Eux, ils n'ont perdu qu'une cargaison, malheureusement, face au tragique accident. Et vous, le reste du groupe, vous arriverez aussi à assister devant. Vous avez perdu du coup la corde également. Mais on a des chaînes. Je sais pas si elles sont très longues, mais... Elles sont pas très très longues, mais... Après, en l'occurrence, Moko, je vais bientôt devoir avoir de quoi les racheter, puisque lorsque vous reprendrez la route quelques heures plus tard, enfin même pas, vous n'avez pas forcément le privilège de pouvoir vous arrêter, il y a juste un des néolibiens qui fera une espèce de petite sculpture de pierre qui l'assemblera sur le bord avant que vous repreniez les choses. Donc, tu recevras de la part de l'un des néolibiens 850 lettres de change. Qu'il te donne immédiatement. Il te les fait passer sous le manteau et je pourrais les ajouter à ta fiche également. Donc ça, plus les 94 que tu t'es déjà faites, ça fait déjà 1000... Oula, je suis fatigué ce soir. Tac. Non, ça va pas faire 1000, mais quasiment. Ça va faire 944 lettres de change en tout. C'est bien, Mokosh, je vais pouvoir payer pour le reste du groupe. Mokosh est en train de se faire... Pour rappel, elle avait pas de thunes il y a encore quelques sessions. Elle a fait la moitié de la campagne avec zéro lettre de change en poche. Il se présentera également à toi, Hilar. Et te serrera la main, mais un moment un peu discret, hein, pas devant tout le monde, 5 minutes après. Hein. Top là, mon pote. Yes. Et d'ailleurs, si jamais il te fait un peu la discussion, tu l'écoutes ou tu y mets un terme le plus rapidement possible, le temps de repartir de ton côté J'imagine que je l'écoute un peu s'il me parle. Ok, très bien. Donc, à un moment, vous êtes un peu tranquille, c'est un passage un petit peu étroit, justement, où tu ralentis vachement pour... Il se met à ton niveau et puis il discute un petit peu et... Profite du fait que les autres soient derrière pour parler un peu plus librement. Oh, je... J'arrive pas à croire que j'ai vraiment fait ça, mais... Comme je vous le disais, nous avons des contrats très détaillés avec la banque du commerce à Thon et disons que si jamais mon compagnon Dwara était mort assassiné par un clan ou un Gendos ou ce que vous voulez, l'argent aurait été reversé à sa veuve et à ses enfants, mais... Le cas n'a jamais été stipulé par rapport à un accident, et il est donc clair que, dans ces cas-là, le reste de la marchandise sera livré immédiatement à ses partenaires. Et, coup de chance pour moi, la majorité des actions étaient détenues par ce dernier, il avait investi plus de 95% du projet. Je sais que Enfin bon. Disons que ma vie vient de changer en ce trajet. C'est que ce jour soit béni. J'imagine qu'il changera encore plus si tout le monde découvre que c'était un assassinat. Et je vais juste changer de rythme de marche pour me séparer de lui. Lentement. À ce moment-là, vous allez traverser du coup le passage bernois pendant encore une bonne demi-journée. Au bout d'un moment, vous commencez à sentir que vous perdez petit à petit en altitude. Puis, un moment, au loin, au détour de deux grandes pans de rochers, vous apercevez ce qui semble être la mer. Et j'aimerais vous demander de quoi est-ce que vous parlez, du coup, également, durant ce trajet, s'il y a des gens qui aimeraient avoir quelques interactions avec d'autres personnes, que ce soit entre vous ou avec les autres caravanes qui vous accompagnent, donc les Jamethan, les Néolibiens ou la troupe des Molières. Bah, moi, je vais un peu parler de ce qui vient de se... Enfin, ce qui s'est passé avec, malheureusement, le décès d'une des personnes qui était avec nous. Ils ont perdu un cheval aussi, j'imagine, dans la...
Il y a un cheval et le néolibien. Il y a un cheval qui est tombé également, ouais. Okay. C'est ça. Mais le cheval du Jametan a été épargné. Lui, le premier qui devait tomber n'est pas tombé. Il y a sa cargaison qui est tombée à la place. Ouais. Mais par contre, le deuxième cheval est tombé, lui. Ok. Et du coup, bah, je discute. La montagne n'est pas aussi sûre qu'on aurait pu penser. Hein, on était parti en se disant que on avait pris le chemin le plus sûr, et en fait, on se rend compte que nos vies ne tiennent qu'à un fil. Il suffit que le fil glisse des mains et on tombe bien bas. Vous imaginez seulement si jamais les explosifs qui sont tombés auraient explosé en bas de la grotte, on aurait peut-être fini enseveli sous 14 mètres de neige. Ah ouais, on a eu beaucoup de chance cette fois, pour croire que nous sommes chanceux. Le hasard a bien fait. Le hasard a bien fait les choses, il faut croire. Mais dis donc, mon coche, tu es bien fébrile en ce moment. Oui. Je suppose que, enfin, peut-être que tu n'as pas envie d'en parler, mais... Enfin, tu as tout lâché d'un coup comme ça. Le froid, peut-être. Les engelures sur les doigts, parfois... Ça, tu devrais te faire inspecter par Torik, je suis sûr qu'il pourrait remédier. Effectivement, je vais regarder tes mains d'ailleurs. En effet, tu vois que ses mains sont ensanglantées, qu'elles se sont ouvertes sous la pression de la corde. Mais c'est seulement au niveau des doigts, c'est rien de bien dangereux. En effet, ce qu'il faut faire attention, c'est du coup avec le froid. Du coup, je vais m'occuper d'elle. Ok, ouais, bah tu l'allumes une petite lampe à huile, et puis en plaçant ses mains à côté, tu essaies de faire attention des fesses qu'elles prennent pas trop le froid. Ouais. Tu sais qu'il va falloir mettre quelques bandages, j'imagine que tu t'en occupes aussi, mais c'est vrai que c'est rien de très très grave non plus. Les doigts sont pas complètement ouverts, quoi. Oui, il mais. Il semblerait que mon coche ait malheureusement lâché la corde, donc. Ouais, faut se protéger. Enfin, c'est des choses qui arrivent malheureusement. C'est qu'à un moment aussi. Ouais. En réalité, je ne vais pas leur cacher plus longtemps que ça. On est à part quand on se soigne et qu'il y a le reste du gros, je vais juste leur dire qu'à partir de maintenant, je peux payer une bonne partie du reste de nos frais. T'attends pas le jour où ils découvriront 850 lettres de change. Enfin, 944 sous ton oreiller. Comment ça, mon coche, tu vas pouvoir nous payer les frais c'est-à-dire? On m'a proposé sur le moment de lâcher, alors j'ai lâché. Hein? Pardon? T'es sérieuse là? Oui. Non, tu blagues. C'est pour couvrir ta petite faiblesse que tu nous dis ça. Si tu veux penser ça. Ouais. Et en quoi t'as gagné des crédits, des lettres de change? Oui, j'en ai pas mal maintenant. Ok. Je sais que c'est discutable, mais. On va arriver en terrain inconnu et on a tous des missions personnelles, je pense que c'est le plus important. Tu auras toujours le don pour me surprendre. Bah de toute façon, des néo-libyens allaient en dessouder à un moment ou à un autre. C'est sûr. Non, bah, après tout, du moment que c'est pas moi, tu fais ce que tu veux. Hein, Très bien. Écoute, tant que ça reste... Ça va. D'ailleurs. Non, elle me dit qu'est-ce que t'as encore fait. C'est pas vrai. Il se trouve que ma mission personnelle étant d'aider les Anabaptistes à mettre les Jametan dehors de Toulon, j'ai préféré éviter qu'ils arrivent en pleine forme là-bas. Et donc? Donc, j'ai peut-être quelque chose à voir avec leur petit problème. Pardon? C'est toi qui a fait en sorte de que ce qui est arrivé est arrivé? J'avais pas spécialement prévu que ça se passe comme ça. Je voulais seulement les séparer de leur cargaison, mais oui. En train de dire que ça se trouve, on aurait pu finir comme je l'ai dit tout à l'heure, sous 14 mètres de neige, juste parce que t'as voulu prendre de l'avance sur ta mission et t'as risqué la vie de l'entièreté du groupe, juste comme ça, sur un coup de tête.
Autant le néolibien, je suis prêt à pardonner cette omission des règles du codex, mais là, quand même, Non, mais surtout qu'on avait dit qu'on se mêlait pas des affaires des autres, parce que les groupes étaient... Mais c'est pas les affaires des autres. Ça le reste. C'est pas ces GM là qui vous font particulièrement chier, on en avait rien à faire de... Ils allaient à Toulon avec des cargaisons. Waouh. Trop important. C'est vrai que c'est plus important que notre mission actuelle. Oui, on n'allait pas avoir de problème, je vous l'ai dit. Le but était simplement de les obliger à laisser la cargaison derrière eux. Pas de les faire tomber dans un fossé infernal et... Et d'emporter des gars avec ou nous. Mais c'est pourtant ce qu'on était à deux doigts de se passer, quoi. Enfin, faut réfléchir quand même quand tu fais des actions comme ça. Ou au moins, parle-nous-en, qu'on soit au courant. Oui. Parce que tu t'imagines si on était... On fait gaffe aux actions. T'imagines s'il y en avait un qui avait décidé de taper la discute avec le diamétane derrière, tranquille, qui se serait retrouvé, je sais pas moi, dans le ravin. Non mais oui, pour la prochaine fois, si tu joues encore à vie comme ça, moi je te dis tout de suite, ça va pas bien se passer. En tout cas, si tu survis, ça va pas bien se passer pour toi. Et t'as fait ça toute seule? Oui, toute seule entièrement. Ton camarade t'a aidé. Non, Lito n'est pas ce genre, c'est quelqu'un de droit qui respecte la manière de faire. Ouais. J'apprécie ça, c'est un homme de principe. Ouais. Ouais, je sais que ça vaut pas grand chose, mais je m'excuse au moins à vous. Ça aurait pu causer comme problème au groupe. Essaye de la prochaine fois nous avertir avant, quitte à ce que au moins déjà on puisse essayer de t'en dissuader. Et si vraiment on peut pas, au moins qu'on puisse préparer quelque chose, quoi. Voilà. Enfin bon, passons. Maintenant c'est l'histoire ancienne. Ok. Parfait. Là-dessus, vous continuez votre trajet et vous arrivez finalement jusqu'au terminal de contrôle de Morvan, dont on avait parlé précédemment. Le terminal de contrôle de Morvan, il se trouve donc en dehors des Alpes. Vous avez quitté le passage bernois, vous continuez la route, mais vous ne vous trouvez plus en altitude. Et il s'agit donc des fondations d'un poste de contrôle qui est en train d'émerger de terre, tout simplement. Vous y voyez des ferrailleurs et des helvétiques qui s'attellent, en fait, à sa construction. Ainsi que, en fait, des gardes helvétiques lourdement armés qui surveillent de gigantesques cuves de pétrole. Tout autour de ça, vous avez également un espèce de petit village provisoire qui semble s'être installé. Vous y voyez donc des huttes de fortune qui s'y sont construites, ainsi que différentes tentes qui ont été installées pour les ferrailleurs ou autres. Et on vous propose également d'y passer la nuit et d'y manger pour seulement 15 lettres de change par personne, ce qui fait 60 en tout. J'imagine que vous allez accepter. Sachant qu'ici, il fait vachement froid. Et que c'est vrai que vous êtes assez affamé de la journée. D'ailleurs, je vais vous demander pour cette dernière journée un dernier test pour voir comment est-ce que vous l'avez encaissé de body plus stamina avec une difficulté de 4. Pour rappel, voilà, l'attirance sera déduit de vos points d'égo. Deux réussites dont deux déclencheurs. Moi, je vais faire un pari risqué. Je vais utiliser un point d'ego pour ne pas perdre plus de points d'ego. Très bien. En vrai, c'est intéressant, j'y avais pensé parce que ça te permet d'éviter un potentiel échec critique. Ouais. Pour moi, je t'en ai fait deux réussites seulement, mais deux déclencheurs. Pardon ?
La même chose, 2 dés réussite dans 2 déclencheurs. Très bien. Je considère que les déclencheurs font double. J'ai fait 2 têtes de mort. Ah, c'est à égalité. Oui, j'ai fait 2 têtes de mort. Ouais, mais vu que le test est réussi, ça, on les prend pas en compte. T'en fais pas. Ok. Alors. Donc. 3 réussites de déclencheurs pour moi. Très bien, en effet, pour cette dernière donc, partie, vu que c'est la fin, je vous ai compté tous les déclencheurs, vous en sortez tous très bien. En fait, c'est même assez libérateur d'avoir enfin quitté les Alpes et passé à la Noix. Et en plus, là, l'arrêt sur lequel vous vous trouvez et, donne aussi la fin du territoire helvétique. J'imagine qu'à la pause où on est, si mes camarades l'acceptent, je vais aller payer de ma poche... ce dont on a besoin, au moins pour un petit repas en quittant le territoire helvétique et tout ça. Très bien. Donc je déduis à 64 de change de ce que tu vas gagner. Je te ferai le calcul final à la fin. Donc voilà, 60 lettres de change au moins, ça sert à loger et à nourrir tout le monde pour une nuit. Ici c'est pas très cher, c'est pas vraiment censé pour l'instant être un endroit où tu peux dormir, mais il y a toujours un lit disponible, un peu à manger, ça c'est sûr. D'ailleurs, pendant la soirée, tu recevras la visite de nouveau de Hilar, qui aimerait te parler en privé. Hilar, donc le fameux Néoli. Ok. Au moment que tu te lèves de table pour aller le rejoindre, tu vois Lito qui t'adresse un regard et qui t'arrête presque en tenant par la manche, en te demandant si, il veut que, si tu veux qu'il te suive. Bon, je me débrouille tout seul. Yoche, t'as été vite le ciel. Vous vous mettez un petit peu sur le côté, tandis un peu au niveau des parties en construction qui ont été délaissées par les ferrailleurs pour l'instant. Oui, j'aimerais bien vous. Je vous ai vu parler avec le reste de vos compagnons et depuis m'adresse des regards relativement étranges. Je n'ai pas pu m'empêcher de le constater. Vous leur en avez parlé? Ils sont de confiance? Ils sont de... Vous avez plus ou... Ils sont de pure confiance. J'ai pas spécifié, j'ai donné aucun détail. Ce n'est qu'on m'a donné. J'aimerais cependant que vous évitiez de trop ébuter la chose, mais de toute façon, personne ne vous croirait. Il n'y a aucune preuve. La corde a glissé. Très bien. Qui est le chroniqueur qui vous accompagne? Un chroniqueur? Quoi? C'est rare un chroniqueur aussi loin du serveur de Justicienne, non? Je ne sais pas, je n'ai jamais été aussi loin du serveur de Justicienne. Pour moi, il y a deux possibilités. Soit c'est un chroniqueur extrêmement important, soit au contraire, absolument pas utile là où il se trouvait originellement. Je ne pense pas que ce soit le premier, en tout cas, parce que sinon il traînerait pas avec moi. À quel point jugez-vous sa fidélité avec le serveur central? Ce que j'aimerais savoir, c'est s'il serait possible, maintenant que je possède ma nouvelle fortune, de récupérer quelques informations sur ces derniers. Je pense qu'il serait sûrement ouvert au moins à en discuter. Eh bien, je vous laisse me présenter alors, dit-il en souriant. D'ailleurs, je te l'ai pas trop décrit, parce que c'est vrai qu'on le voit pas trop pour l'instant. Il est habillé assez classieusement, mais la quasi-totalité de son visage est recouverte pour se protéger du froid, surtout. Mais là, pour la première fois, il s'en détache un petit peu. Il a un visage assez, comment dire, rectangulaire, assez allongé. Avec des petits yeux assez rapprochés, ce qui lui donne en fait il a une morphologie un petit peu étrange, assez atypique. Cette espèce de regard un petit peu pas perçant, mais un petit peu jugeur, comme si il scrutait la moindre chose qui se passait autour de lui pour saisir la meilleure occasion qui va lui profiter.
Très bien. Eh bien, je vais l'accompagner jusqu'à Flux. Je vais me placer de... je vais tout simplement dire à Flux, je te présente un ami de circonstance. Il veut te parler a priori. Bien, j'écoute. Enchanté, je m'appelle Hilar, je suis né au Libyen. Je suis un... malheureusement, très... vu les circonstances, très endeuillé, mais également très enrichi. Et je souhaiterais, dès mon arrivée en ville, faire quelques placements plutôt intéressants dans quelques affaires. Et je me disais qu'un chroniqueur aussi loin du serveur central aurait sans doute quelques affaires à me dire. Qu'est-ce qui vous amène sur place? Peut-être vous êtes envoyé pour une mission particulière? Allez-vous déterrer des artefacts sur lesquels je pourrais mettre la main plus rapidement et avec lequel nous pourrions partager la fortune? Connaissez-vous des secrets que vous seriez prêts à vendre et que je pourrais moi-même rapporter à des hauts dirigeants de mon culte qui refuseraient de toute façon de parler à un chroniqueur, puisque vous savez que nous ne sommes pas trop en bon terme, après toutes les rumeurs que votre culte a racontées sur nous. Et puis, de toute façon, tout ce qui se dit en franca reste en franca, ne vous en faites pas. Et quel serait votre prix? Cela dépend de l'information que vous me donnez, mais disons que l'argent n'est pas vraiment un problème. Plus maintenant. Exactement, malheureusement. Oui, malheureusement. Si vous voulez, nous ne sommes pas obligés d'en parler maintenant, je vous sens un petit peu distant. Si vous souhaitez, vous pourrez bientôt me rendre visite dans ma future villa à Toulon. Je fais une toute petite aparté méta. Quand une villa dans le monde des DJ, c'est pas une villa dans notre monde. Donc c'est très luxueux, mais c'est pas non plus. Voilà. Bien. C'est intéressant. Je suppose qu'on peut en discuter plus tard, oui. Ça c'est juste que il faut être prudent avec ces informations là. Le serveur reste très vigilant. Je compte sur vous pour pas vendre la mèche trop tôt. Bien sûr, je saurais faire preuve d'une certaine discrétion. Vous savez, j'ai un seul défaut, c'est la discrétion. Si jamais vous voulez me rencontrer, il faudra que vous vous rendiez au quartier de Cour Argent à Toulon, vous ne pourrez pas le manquer, et que vous demandiez auprès des personnes que vous pourrez croiser, notamment au niveau des marchés où vous rencontrerez plein de prêteurs là-bas. Demandez à un éolien très important, la maison de Douara, qui est mon défunt partenaire. Vous pourriez peut-être y retrouver sa veuve en train de faire ses valises tandis que je m'installerai dans ma nouvelle résidence. Puisque mon ancien compagnon a eu la bonne idée de la miser dans l'expédition et dans les ressources que nous avons pu acheter. Au nord. Très intéressant. Mais bon. Je suis quand même un homme de cœur pour honorer sa mémoire. Je ne j'érigerai pas de l'ensemble et je ne ferai jamais la même erreur. Miser sa propre maison. Pas avec des collègues comme vous, en tout cas. Oui. Mais écoutez, je verrai ce que je peux faire une fois sur place. Il n'y a pas de souci.
Là-dessus, j'ai un autre partenaire en larmes à aller réconforter. Je vous laisse. Mmh. Bien sûr. Le pauvre a perdu son frère, vous comprenez. Bien sûr. Là-dessus, il se lève et s'en va. Oh, une dernière chose. Quel est votre nom ? Vous le saurez au moment venu. D'accord, très bien. J'ai hâte que nous puissions faire affaire ensemble. Quelque chose me dit que nous allons avoir une opportunité à saisir. Si jamais vous vous rendez chez moi, n'hésitez pas à quand même enlever votre masque. Je n'aimerais pas trop que l'on me voie en compagnie d'un chroniqueur, mais... Ou passer par la porte arrière, faites comme vous voulez. J'imagine que vous êtes habitué à vous infiltrer comme ça dans les maisons des gens. Oui, oui, c'est bien. Oui, oui. Bocoche. Hein. Y a-t-il des choses particulières que vous aimeriez faire cette soirée ? Durant cette soirée ? Moi, parler à Mokosh. D'accord. Je vais juste terminer, tandis que la troupe des Molières divertit les ferrailleurs et les helvétiques du terminal de contrôle de Morvan à l'aide d'un superbe spectacle. Et suivi d'une petite pièce où il retrace une histoire originale créée par Blanchard, racontant la triste mort d'une personne à travers le passage bernois où ils vous refont la scène de la corde, avec cette fois-ci le modèle Genesis accroché à cette dernière qui lâche au dernier moment. Et chute du haut de quelques mètres de bitume qui ont été érigés sur place et qui servent de décor à la scène. Du coup, que faites-vous ? Je vais laisser les autres présenter leur soirée et après je parlerai avec mon coach. Pour d'abord répondre à ta question. Nous on était où quand il y a eu cette discussion? Déjà on était avec les autres, on faisait quoi? Vous étiez pas trop loin, je pense que vous l'avez entendu. En tout cas la deuxième partie, celle avec Flux. Vu que c'est visible que vous êtes en un groupe. Vous n'avez peut-être pas tout entendu, mais au moins vous avez entendu des bruits, mais j'imagine que Flux vous en aura parlé juste ensuite. Ok. Bah du coup... j'imagine que je vais rester dans le secteur, peut-être en attendant qu'on fasse, on fasse venir, mais ouais, je vais rester dans le secteur en attendant qu'on m'appelle. Je vais peaufiner, je vais relire le codex toujours, et puis bon, après, si ça me lasse un peu. J'attaquerai le stock de schnapps et puis très bien. Je verrai s'il y a quelqu'un pour m'accompagner. Cette lecture ainsi du codex, surtout aussi loin de tes frères, te rappelle la mission qui guidait pas jusqu'ici. C'est vrai que tu vas désormais, dès demain, pouvoir commencer à enquêter sur la fameuse bande des briseurs de marteaux qui s'est établie dans la région et à tenter de dénicher les uns après les autres. Tu as déjà peut-être quelques pistes, quelques moyens de les retrouver. Sans doute qu'il faudra demander Enfin, faudrait essayer de se mettre dans leur tête et de se dire que si toi-même tu étais poursuivi par des juges, puisque c'est pas la première fois qu'on envoie des juges sur place, même si c'est peut-être une des plus grosses opérations qu'on y a en termes d'exécution, parce qu'on demande de t'exécuter un clan entier. Essayer de te mettre à leur place et de te dire comment est-ce que tu ferais pour te cacher et changer d'identité, etc. Le fait de relire du coup le texte, ça te remonte le moral et plus jamais que tu es motivé à essayer de les exterminer. En parallèle, tu te récupères une bouteille en plus et tu constates quand même que tu commences à descendre assez rapidement la première des caisses. Heureusement pour toi, elle était plutôt bien fournie, mais c'est vrai que l'alcool typique de pur garé est vraiment succulent. J'en ai profité donc pour te remonter de l'ego. Flux, donc, tu avais également quelque chose à faire. Ouais, pour répondre en général du coup à ta question, moi la soirée après, bah, comme mes deux amis en fait, on va rester. J'ai l'impression que là on est dans on reste entre nous, il y a eu assez d'embrouilles comme ça. Il y a eu pas mal d'embrouilles déjà. Je vais rejoindre ce mouvement là. Déjà de base, je restais dans mon coin, mais là je suis content parce qu'il y a tout le monde qui va avec.
Et bah, du coup, je vais passer la soirée. Je peux accompagner Jacquard. J'essaierai d'accompagner en même temps Torik. Enfin, voilà, essayer de passer une soirée de groupe à se remonter le moral comme on peut. Et se reposer. Mais, effectivement, je voulais parler à Mokosh. Je sais pas si tu préfères d'abord dire ce que fait Mokosh à la soirée et après on fait la conversation. Non, je voulais simplement dire que, en effet, cette soirée a une ambiance un peu particulière. C'est vrai que, du coup, je n'ai peut-être pas remis suffisamment l'accent là-dessus, mais au loin, vous apercevez la mer. C'est peut-être la première fois de votre vie, pour la majorité, que vous voyez ça. Donc ça donne peut-être, en effet, un côté à cette soirée vraiment libérateur. Il fait plutôt lourd, d'ailleurs, comparé aux Alpes. En tout cas, il fait pas très très chaud, mais déjà plus. Vous vous sentez mieux, et en effet, vous êtes beaucoup plus tranquille, vous avez beaucoup plus d'espace aussi, vous avez plus de neige, malgré l'hiver. C'est vrai que c'est vachement plus tranquille comme soirée. Vous avez pas mal de petites lumières allumées à droite à gauche, avec tous les gens autour. Qui font leur vie, les choses se passent. Et du coup, voilà, je te laisse discuter avec Mokosh si tu le souhaites. Mokosh. Flux. Je sais pas si je dois t'insulter ou te remercier d'avoir amené cet abruti ici. Je préfère le deuxième. Mais vite les coups foireux comme ça, je te jure. Tu parles de quel coup foireux ? Il me semble. Lui, de manière générale, a l'air très foireux. Enfin, les autres aussi, tu pouvais éviter, mais ça commence à faire beaucoup. Bon, il me semble quand même être assez idiot. Je sais pas comment tu es rentré en contact avec lui au premier lieu, mais il m'a l'air très... On tenait une corde en commun. Ça nous a rapprochés. Mais bon, déjà, il m'a l'air très manipulable. Je vais voir si je ne peux pas profiter de son ego pour lui vendre des informations tout simplement fausses et qui nous paye pour ça. Tu n'as de toute façon aucun attachement à lui. Non. Spécialement. Ouais, donc si ça tourne mal, on l'efface et puis on passe à autre chose. J'ai déjà lâché la corde qu'on avait en commun. Parfait. Bon. Dans ce cas-là, je te dis quand même, si ça se passe bien, merci d'avoir amené cet abruti à moi. Mais quand même, doucement, on a quand même beaucoup de choses à gérer. Laisse-nous souffler. Très bien. Le soir même, après toutes ces choses un petit peu stressantes qui ont pu avoir lieu, vous assisterez à cette scène assez particulière de Lito récupérant une chaise disposée au niveau des endroits de cette espèce d'espace mangé, on va dire, d'extérieur, et la traînera jusqu'à devant vos sacs de couchage, disposés... Non, pardon, pas de vos sacs de couchage, vous avez payé la nuit. Enfin, Mokosh vous a offert ça. Du coup, juste au niveau de votre petite hutte de fortune, et s'installera dessus, les jambes croisées, autour de son épée. Évidemment, toutes vos affaires autour de lui. Et si l'un ou l'autre d'entre vous se lèvera en pleine nuit pour aller boire ou aller pisser un coup, vous ne pourrez pas vous empêcher d'avoir l'impression qu'il est toujours... en train de dormir seulement d'un seul œil et de guetter la moindre venue proche du campement. Le lendemain matin, vous allez repartir en direction, cette fois-ci, donc, du chemin brûlé. On vous proposera sur place, de la part de certains ferrailleurs, d'acheter une carte de la région. Est-ce que ça vous intéresse ? Quel prix ? Ouais, 40 lettres de change. Potentiellement, mais... J'ai encore des choses à me faire pardonner, donc je paye. Ok. Mokosh paye. Bon, il te reste encore 844 lettres de change de ce que tu viens d'empocher, donc je sais plus combien t'avais déjà, mais évidemment, ça va s'accumuler. Donc, comprenant tous les services que t'as pu rendre récemment. Et tu obtiens en effet une super carte de l'intégralité du sud de la Franca. On avait déjà aperçu un peu méta avec les routes... que je vous avais envoyé, mais ça donnait pas toutes les zones.
Et en termes de roleplay, cette carte vous donnera des bonus d'orientation si jamais un jour vous allez vous déplacer à travers les marais et autres. Donc elle sera sans doute très efficace parce que toute la campagne se jouera pas à juste suivre un chemin de manière un peu linéaire avec de temps en temps un choix de direction. Quoi. Parfois il faut trouver des choses qui sont mal indiquées ou autres. Ah, Jacquard, si j'ai un G, demandé aussi. Fais-moi un petit test sens perception si tu veux, s'il te plaît. Bien sûr. 4 réussites. Très bien. Le lendemain matin, tandis que vous vous préparez, tu repères au loin certains des géants méthane qui vous accompagnaient s'enfiler quelques bourgeons de brûlure qu'ils sortent de leur gourde. Ils le font un peu discrètement, un peu de dos, hein, tourné dans le niveau de leur truc, mais tandis que toi tu lisais ton codex au lever du soleil en regardant la mer au loin, t'as pas pu t'empêcher de repérer ça. On est reparti ou pas encore? Fait quelque chose. Non, vous n'êtes pas encore en train de partir, là tout le monde est en train de rassembler ses affaires et s'apprête à y aller. Et là ils sont que deux, l'autre tu sais pas où il est, mais ils sont que deux pour l'instant. Bon, en tout cas c'est sûr, là tu vois très clairement au loin, tu les observes d'un œil avisé sous tes lunettes et tu les vois. Et d'ailleurs ça résonne peut-être avec le fait que tu disais que on vendait pas d'alcool au niveau du poste de renseignement et que c'était peut-être un peu étrange, mais sans doute que les ferrailleurs là-bas avaient d'autres choses à proposer et qu'ils avaient simplement caché ça sous les étals lorsque tu étais passé faire un petit tour. Et j'imagine qu'il n'y a pas d'helvétiques dans le coin. Si, il y en a. Pas à côté d'eux, mais à quelques mètres vers toi, plus au niveau du coup des fondations, donc du poste du terminal de contrôle de Morvan qui est en train de se construire. Il y a des helvétiques qui supervisent l'opération et d'autres qui gardent les tours à pétrole. Lesquels les plus proches? C'est au niveau des tours à pétrole. Ok, je me dirige vers eux. Ils sont loin ou genre... Non, ils sont à quelques mètres. Et lorsque tu t'approches, tu vois qu'ils saluent. Les helvétiques ont un certain respect pour les juges. Le côté militaire, sans doute. Oui, bien le bonjour. Veuillez m'excuser de vous déranger dans votre... dans vos devoirs, mais je n'ai pu m'empêcher de remarquer que certains de mes compagnons de voyage possèdent quelques bourgeons de brûlure, et peut-être plus. Nous apprêtions à partir à l'instant, mais je préfère éviter tout ennui. Et si vous le souhaitez, je suis prêt à procéder en tant que témoin, et peuvent vous les désigner tout de suite si vous souhaitez les arrêter dès maintenant, étant donné que nous sommes dans la juridiction des helvétiques. Oh, vous savez, nous sommes sur notre territoire, mais la justice du protectorat passe bien au-delà des frontières lorsqu'elle le désire. Si vous êtes sûr de ce que vous avancez, n'hésitez pas à intervenir vous-même. Nous aimerions éviter un mort en pleine place publique devant les travailleurs. Nous savons que certains d'entre eux consomment quelques bourgeons de temps en temps pour se remonter le moral. Mais il est toujours bien de leur rappeler quelques règles. Nous vous laissons décider de leur sort. Eh bien, j'apprécie cela énormément et à gérer en vous remerciant grandement de votre bénédiction. Il n'y a pas de souci. Je fais demi-tour, je me dirige un peu vite vers eux, enfin, en marchant vite vers eux. Tu te diriges un peu vite vers eux, et lorsque tu commences à t'approcher, tu vois qu'ils font pas vraiment attention, ils ont rangé les bourgeons à ce moment-là, mais ils ont toujours leur gourde accrochée à leur ceinture. Et ils sont en train de discuter de revendre leurs chevaux pour rattraper la cargaison perdue. Lorsque tu t'approches un peu trop près, les gars. J'ai un peu soif là maintenant. Vous me ferez bien voir une petite gorgée, non? Après tout ce qu'on a essayé de faire pour sauver vos potes hier, non?
Ma gourde est vide. Elle est la vide, mienne aussi. Vraiment? Et oui, on allait les remplir. Je prends mon marteau et tu sais, j'essaie de la soulever, voir, tu vois, de soulever un peu la gourde, voir si ça fait. Tu prends ton marteau, en effet, tu l'approches, au moment où tu fais ça, t'entends des petits bruits à l'intérieur comme si t'avais des trucs qui sont trop choqués. Mais elle m'a l'air pleine, cette gourde. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Rien du tout. À ce moment-là, il la prend, tu sais, il l'écarte un peu brusquement et il fait « Fichez-moi la paix. » Je t'ai vu t'enfiler ces bourgeons de brûlure. Alors maintenant, c'est deux options à toi et tes petits copains. Soit vous me remettez immédiatement tout ce que vous possédez sur vous-même et vous en sortirez avec un minimum de dégâts, soit je vais venir les prendre de force ou de gré. Est-ce que c'est clair? Fais-moi un jet de psyché-domination. Trois réussites, un déclencheur. Un bonus de 2, tu avais dit? Ouais, de 2D. Oui, donc, c'est bon. Trois réussites, un déclencheur, oui. Très bien, parfait. Alors que tu dis ça, tu vois que les réactions sont divisées. L'un des deux semble complètement renfermé sur lui-même, celui qui t'a touché la gourde, et te dévisage en, tu sais, en levant un peu la tête de manière assez provocatrice. Tandis que l'autre, lui, dit « Ok, c'est bon », et ouvre la sienne et vide le contenu dans sa main. Et te le tend. Ouais. Et toi, l'autre, tu crois que je t'ai pas vu aussi, le baiser de chèvre? Fais pas chier. Non, toi, fais pas chier. File-moi cette gourde tout de suite ou je t'éclate la tête avec. Relève mon marteau, je le pose sur mon épaule. À ce moment-là, tu vois qu'il ouvre la gourde. En effet, vire quelques bourgeons dans sa main et t'étend. Je les écrase tous par terre, un à un, bien lentement, vraiment, très très lentement, en les regardant bien dans les yeux. À ce moment-là, vous voyez qu'il y a une espèce de petite foule qui a commencé un peu à se réunir, pas trop trop proche, mais les gens ont compris qu'il y avait une embrouille et commencent à regarder un peu ce qui est en train de se passer au loin. Tu vois que le premier semble... celui qui te les a tendus initialement plutôt, vide d'expression. Il n'a pas l'air spécialement content, mais il n'a pas l'air spécialement en colère. Tandis que l'autre va juste cracher par terre et se racler la gorge en te voyant faire ça. Alors maintenant, on va mettre les choses au clair. J'espère pour vous que c'était l'entièreté et tout ce que vous aviez, tout votre stock que vous avez vidé maintenant. Si jamais je vous revois à un moment ou à un autre lors de ce voyage, je vous promets que malgré le fait qu'on n'est pas dans le protocole, malgré le fait que théoriquement je n'ai aucun pouvoir, je vous promets que vous allez le regretter. Est-ce que c'est bien clair? C'est clair, oui. Tu vois, l'autre répond pas. Où est disposé? Je fais demi-tour. Là-dessus, tu t'en vas et tu recroiseras le dernier Jamethan qui lui aussi s'approche, tandis que tu retrouves le reste du groupe en train de récupérer leurs affaires. Vous allez apprendre que les Jamethan, du coup, n'ont d'autre choix étant donné qu'ils ont perdu une grande partie de leur cargaison que de revendre leurs chevaux. Vous allez donc effectuer le reste du trajet sans eux, puisqu'ils vont y aller à pied, tandis que vous allez traverser le chemin brûlé. Avec vos montures et avec ta moto dans le cas de Mokoche. D'ailleurs, Mokoche, tu remarqueras que tu commences assez rapidement à manquer de pétrole, ça consomme énormément, mine de rien, cette machine. Et tu sais également que ça coûte très cher, même si tu avais pu récupérer gratuitement à la cathédrale lorsque tu étais devenu fureur. Sans doute que si jamais tu veux refaire des trajets aussi longs, il faudra investir un minimum. Le chemin brûlé, une fois que vous quittez le terminal de contrôle, est un endroit assez particulier. En fait, c'est une large route qui suit le long de la côte et qui serpente jusqu'à la ville, notamment de Toulon, et qui se poursuit après, notamment jusqu'à Bayonne. En tout cas, d'après la carte de Mokoche. C'est un
petit peu considéré comme étant la seule roue sûre de Franca. D'après Ilar, le lien qui viendra vous faire la causette de ton. Et en effet, elle semble assez sûre, puisque assez régulièrement, vous allez croiser tantôt quelques d'ailleurs, quelques groupes également d'Africains, surtout des fléaux. Donc les fléaux, c'est le culte guerrier d'Africa, qui donc porte des espèces d'armures ainsi que des casques militaires, et souvent du coup des masques, cette fois-ci plutôt de tribus africaines, ce qui leur donne un côté un petit peu inhumain. Et semble superviser l'entretien des routes. Puisque c'est de particulier que les gens établissent des puits à pétro, des espèces de petits puits, assez régulièrement, à peu près moins tous les kilomètres. Et au niveau de ces petits puits, vont aller les remplir de feuilles, sur lequel ils vont recouvrir un petit peu de sable, et ensuite ils foutent le feu pour balancer des espèces de grosses fumées noires qui vont en fait s'élever de la route. Que vous en apprenez de la part de Hilar, qui peut pas s'empêcher de vous décrire le sud de la Franca comme le joyau africain, et il est très très vantard là-dessus, c'est que ces puits, et en fait surtout du coup cette fumée, sert à éloigner les potentiels essaims qui seraient envoyés par le vent depuis les marais. Vous allez également croiser un clan, qui vous est particulièrement inconnu. À plusieurs reprises, en effet, vous allez croiser des détachements de plusieurs dizaines de personnes, habillés de manière assez étrange à vos yeux. Ce sont des gens qui ont l'air de parfaits habitants, gens parfaitement normaux, plutôt du coup d'origine francienne, qui sont un peu bourrus, qui ont un petit peu du coup ces têtes de marins ou autres, mais qui vont être habillés de longs manteaux, de longues vestes militaires, vont porter des bérets bleus ou des capes, ainsi que plusieurs signes de décoration, du coup très militaires également. Et vous allez apprendre qu'il s'agit du clan, de la Résistance. La Résistance, donc, c'est une espèce de regroupement de Francéens qui se rassemblent et sans s'opposer directement aux Néo-Libyens. Au contraire, ils vont même peut-être faire un ami par rapport à la protection de certaines zones, notamment, du coup, la création de routes safe comme le chemin brûlé, défendre une Franca libre qui serait gouvernée par son peuple. Ils parlent de créer carrément un gouvernement. Si vous voulez, c'est complètement des foutaises. Les cultes sont bien plus efficaces pour ce pays qui aurait depuis longtemps sombré dans la misère si on n'avait pas été là. Vous rétorquera Hilar. Est-ce que vous avez également des questions, tandis que vous marchez depuis Morvan jusqu'à Toulon? Enfin, vous êtes à bord de vos montures, en compagnie des Molières. En parallèle de ça, et c'est sur quoi nous allons terminer, va être la traversée, donc l'arrivée jusqu'à Toulon. En fait, au bout d'un moment, à force de marcher sur le chemin brûlé et de vous rapprocher de votre destination, vous allez commencer à percevoir au loin quelques silhouettes de bateaux se rapprocher au niveau des côtes. Vous voyez leurs silhouettes émerger de plus en plus au niveau de la ligne d'horizon, et créer des espèces de grandes vagues qui, elles, après, viennent s'abattre au niveau de la plage. La plage, d'ailleurs, dont vous êtes de plus en plus proche. Vous sentez également, au fur et à mesure, une espèce d'odeur de vase, ou en tout cas de la mer, qui vous est relativement inconnue hein, pour la plupart d'entre vous. Peut-être Flux en gardera quelques souvenirs durant son enfance en Franca, mais c'est même pas sûr. Ces odeurs un petit peu, ce côté un peu salé, etc., qui vous est complètement étranger, vous qui avez l'habitude d'un désert de poussière rouge sans la moindre goutte d'eau toute l'année. Et vous entendez également quelques bruits d'oiseaux, et au-dessus de vos têtes, vous apercevez vos premières mouettes, quasiment, qui semblent tourner autour de la ville, notamment, surtout peut-être ce qui est un quartier portuaire, puisque toute la ville est construite autour d'une espèce de... j'ai oublié le terme exact, mais en gros,
elle l'entoure presque, en fait, le passage avec l'eau. Une rade, comment on dit le nom de ce côté. Pardon ? Oui. Une rade, une crique Ouais, peut-être une crique, oui, peut-être possible. Et évidemment, au-dessus de vos têtes, au fur et à mesure que vous vous en rapprochez, vous apercevez la silhouette de Toulon, la capitale de la Franca, qui s'étend donc sur plusieurs quartiers. Même de loin, alors que vous en êtes encore à plusieurs centaines de mètres, vous arrivez à constater que ces derniers semblent relativement inégaux. Puisque d'un côté, vous avez des espèces de cabanes de pêcheurs qui s'étendent, qui accueillent des grands navires africains venus du coup de l'autre côté de la Méditerranée. Et puis, plus vous vous rapprochez du centre de la ville, plus vous avez cette fois-ci des maisons en bien meilleur état, pour finir sur un gigantesque palais prônant au-dessus d'une colline tout aussi énorme et donnant sur l'intégralité de la ville. Mais ça, nous aurons l'occasion d'en reparler du coup dans la prochaine session, puisque c'est là-dessus que nous allons nous arrêter.